Comment vous allez tout le monde? Putain, c'est pas possible. Je me fatigue. Pourquoi j'ai fait ce je sais pas. Aucune idée. Comment ça va? Coucou Majesty. Ouais, alors pour une fois, hein, j'ai voulu me faire une queue de cheval. Bon, elle est très mal foutue. C'est comme d'habitude, hein. Y a rien qui va, voilà, un petit, hein, on va essayer de remettre normalement. Putain, j'en ai marre des nœuds. C'est pas possible. Attendez, ah bah oui, on se met bien. Hein. Non. Oh non, la flemme. Non, là vraiment, je me suis dit, ah, je me suis réveillée à 9h30, ah, fatiguée. Je me suis recouchée. J'ai eu le temps de faire la photo, j'ai dit, eh, c'est bon. Et en fait, non. Coucou Majesty d'amour, comment ça va? Merci beaucoup. Tu seras notre modératrice pour aujourd'hui. Merci. Merci beauté. Bon, je suis en train de m'énerver. Eh, ça faisait longtemps. Ça faisait 3 jours. Vous savez, hier, je... Alors, Yussi, je crois que t'étais pas là. Je crois que t'étais pas là au moment. Ou si t'étais là. Je sais plus. Vous savez, avec le nouveau téléphone. Donc, moi, ça va. Il n'y a aucun problème. Je vais l'avoir, ce téléphone. Mais, on a voulu le faire pour une personne de ma famille. Et,
Hier, on n'arrivait pas. Du coup, on a appelé SFR, donc SFR mobile. Parce que nous, on veut mettre la personne sur Red by SFR. Vous voyez le truc? Et t'as la... J'appelle vraiment la meuf parce que vraiment, elle m'a énervée. Et t'as la meuf qui sort. Alors, nous ne pouvons pas, parce que c'est pas nos concurrents, mais en même temps, c'est pas nous qui gérons. Red by SFR, SFR mobile. C'est la même compagnie, les gars. Eh, quand même, vous pouvez. Nous, on voulait aller au vert. La personne, elle est en rouge. Eh ben, nous, on veut juste bifurquer, sauf que nous, on peut pas. Et du coup, je commence à dire, bah non, nous, on a trouvé un téléphone moins cher. On a trouvé le comment on appelle ça, putain? Le... Vous savez, à 13,95 € par mois, par exemple. Voilà, et ben nous, c'était 13,99 € par mois. Du coup, j'ai dit, oh, c'est trop bien, c'est parfait, tout ça. Du coup, on lui dit, parce que madame ne voulait absolument pas le faire. Merci, un forfait, merci. Coucou final, comment ça va? Merci, bienvenue dans le chat, j'espère que tu vas bien. Et coucou les mots! Eh ben ça va super. Attendez, je finis. Ah, parce que ça m'a énervé hier. Du coup, donc j'explique, voilà, je dis, mais pourtant vous êtes la même société. Vous avez juste à changer. Vous avez un bouton à mettre, c'est tout. Après, nous, on se débrouille. La meuf ne voulait pas. Du coup, elle me propose le téléphone. Je crois que c'est il coûtait 169 €. Elle me le propose à 140. 140 €. Parce que du coup, elle essaye de se mettre sur le prix de l'autre. Et oui, c'est la vente. Du coup, moi, je commence à dire, oui, et du coup, le forfait, il coûtera combien? Et là, elle me sort, ah ben, il coûtera 10,99 €. Donc, à la place de 13,99 €, j'ai dit, ah oh, bah alors oui, allez-y. Tu sais bien, en mode, bon, écoutez, hein, c'est juste un peu, j'étais en train de m'énerver, ok. Donc elle commence à le faire et elle nous dit, voilà, vous allez recevoir un mail, etc. Du coup, et il faudra juste faire les derniers trucs. Hier, impossible de se connecter. Vraiment, impossible. Donc moi, j'étais en train de m'énerver, etc. Du coup, je pars me coucher en mode, bon, dans la nuit, ça va venir. Il y aura une illumination parce qu'à chaque fois, c'est comme ça. Rien. J'ai dormi 3 heures. Je trouvais pas la solution. Et au bout d'un moment, on arrive à se reconnecter ce matin. Et là, on remarque, du coup, je fais la carte d'identité, tout ça pour la personne. Je mets tout ça dans le PC, etc. Et là, on reçoit un message sur le téléphone de la personne qui dit, merci d'avoir souscrit à la 4G+ à 23,99 € avec 10 gigaoctets. J'ai demandé 100 gigas! Ah, oh purée! Oh là, quand j'ai vu ça ce matin, j'ai dit pardon. C'est quoi cette connerie? Du coup, j'ai essayé de rappeler. Impossible de rappeler. Mais vraiment impossible. Du coup, bah, il faut que j'aille déposer plainte. Ah, c'est con, hein? Ah, c'est con! Du coup, j'essaye de trouver un moyen. Voilà. Par contre, moi, mon téléphone, il va bien arriver. Il n'y a aucun souci. Moi, le mien, il est tout bien. Mais celui de l'autre personne, qui était chez SFR et qui veut aller sur Red by SFR, bah, en fait, tu peux pas. Et ça, c'est complètement con. C'est pas comme si vous étiez de Bouygues ou je sais pas quoi, de chez Fruits ou voilà. Mais là, non. Là, ils veulent pas le truc. Mais non, je fallait la laisser galérer. Oh, les mots, t'es pas sympa. Elle a failli montrer. Non, j'ai montré les crocs. J'ai vraiment montré les crocs au bout d'un moment. T'as un droit de rétractation. Mais en fait, le truc, c'est qu'on ne trouve absolument pas le dossier. Je ne peux pas cliquer. Je n'ai rien qui me permet. J'ai juste le message du téléphone qui me prouve.
J'ai rien d'autre. Donc je sais pas ce qu'elle a foutu derrière, la meuf. Mais sauf que bah j'aimerais bien quand même retrouver l'argent qu'on avait déjà mis. Parce que du coup, on avait tout fait, hein. Donc j'avoue que si je vois que ça part chez l'autre personne, je vais déposer plainte. Parce que derrière, j'ai rien. J'ai même pas le mec qui me dit vous avez bien reçu on a bien reçu votre demande et avec tous les trucs. Y a rien. Alors au bout d'un moment, dis donc elle sait faire mobile. T'as un mail avec ton numéro de ligne souscription? Pas de l'autre personne. Moi le mien, je l'ai. J'ai bien tout. Donc le mien va arriver dans 2 jours. Mais alors l'autre personne, absolument rien. Rien. On a juste qu'on a bien créé un compte et c'est tout. J'ai pas dans. Non, dans les spams, on a vérifié. Il n'y a rien non plus. Ah, c'est le premier truc que je fais, moi. C'est de regarder les spams. Hey, coucou, Mister! Tu sais, tu peux faire ton iLurk dans les points de chaîne. Comme ça enlève les points de chaîne un petit peu. Parce que je sais, il faut que je retravaille mes points de chaîne. Je le sais. Et aussi, à partir de demain, on va avoir un nouveau partenariat. Je vous le dis déjà un petit peu, mais j'attends juste de faire le logo, tout ça. Et on a un nouveau petit partenariat. C'est une d'une de mes copines. C'est ma plus belle rencontre de l'année 2023 avec Yousni. Et du coup, j'ai décidé de l'aider. Voilà. J'en ai pas encore beaucoup vu, je suis nouveau par ici. Ah oui, mais tu sais, c'est que c'est 100. Ouais, j'ai mis 100 pour ton petit lurk. Qui c'est qui s'est encore enlevé? Les mots, du coup, les mots, tu pars ou... Voilà, et ben c'est bon. Donc, du coup, mystère et les mots. Mais potentiellement, les mots, je crois pas. Je crois que c'est juste pour montrer. Parce que vu que c'est un VIP, il connaît très bien. Et je sais qu'il a énormément de tunas, de petits louveteaux là-dedans, là. Parce qu'il regarde en secret, je le connais. C'était un test. Voilà, je le savais, je le sentais. On va directement se mettre, hein? Bah oui. Vraiment, la coiffure, c'est une catastrophe. C'est même pas possible. Hé, purée, c'est pas possible. Hé, heureusement que je pars bientôt chez le... D'ailleurs, en fait, c'est mercredi prochain. Je me suis gourée, c'est pas vendredi. Je suis... Purée, mais il faut que ça arrête de mettre en petit, hein. Le jeu. Attendez. Je mets le jeu. Par contre, j'espère que c'est pas trop fort. C'est bon! Bah oui, bah du coup. Pourquoi j'ai un réflexe d'aller sur l'autre? Elle me connaît, j'ai peur. Mais je sais que t'as peur de moi. Allez, l'épisode 2, la volte-face des sœurs. On essaye. Je ne connais pas le jeu, hein, je connais juste de nom. Et la première enquête, je l'ai fait en 1 heure. Et je connaissais la réponse en 20 minutes. On va voir. 5 septembre, 21h08, cabinet d'avocat Fay & Co. Oui, parce que du coup, notre patronne, elle est morte. Oh oh, je suis en retard. Tiens, c'est bizarre. La patronne a déjà dû rentrer chez elle. Non, elle est morte. Moi, avec ma délicatesse légendaire. Non, elle est morte. Ouais, ta beauté me fait peur. Ah, oh, c'est beau ça. Ah, c'est gentil, les mots. Tu veux un autographe? Tu veux un service? Elle a dit que sa sœur devait passer ici pour qu'on aille dîner tous ensemble. Oui, c'est Maya. Maya Faye. Cette odeur. Ah non, mais non, s'il te plaît. Du sang. Mia. D'accord. Bah, si tu examines derrière, tu touches, donc potentiellement tu peux être dans la merde. Et se déplacer, c'est pour je sais pas quoi faire. Pour appeler les flics? La police? Je sais pas. On va examiner, hein. Ah non, c'est ça? Il faut faire quoi? Bah, y'a rien!
que j'aille voir si le patron va bien. Eh ben alors, déplace-toi. Purée. Ok. Retour. Comment on fait? Bon. J'ai déjà un problème. Ah voilà. Donc au cabinet, qui est complètement sans dessus-dessous du coup, par le mec, je sais pas qui. Cette odeur du sang. Franchine? Ah, c'est potentiellement c'est Maya qui parle. Il y a quelqu'un? Oui, du coup. Ça, c'est elle, du coup, sa sœur. Patron? 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 Bah oui, bah elle est morte, hein. Qui êtes-vous? Oula! Elle a fait un malaise. Ah bah, c'est moi. D'accord. Cette fille bizarre est sortie sans rien dire. Je l'ai laissée s'allonger sur la banquette. Je suis retournée auprès de la patronne. Elle gisait là, sous la fenêtre. Potentiellement, il y a des gens qui ont pu la voir. Son corps était encore chaud. Je l'ai senti lorsque j'ai posé ma main sur son épaule. Puis tout d'un coup, sa température a commencé à chuter. Jusqu'à ce qu'elle soit totalement froide. Oui, donc elle est morte. Patron? Patron, il m'est difficile de la voir dans cet état, mais si je peux trouver le moindre indice, elle a reçu un coup violent sur la tête. Elle est probablement morte sur le coup. Ah d'accord. Le penseur qui se trouve à côté d'elle doit être l'arme du crime. Ressemble à une statue, mais c'est une pendule fabriquée par Paul Defesse. Bah oui, du coup. Le penseur a ajouté au dossier de l'affaire. Il y a des éclats de verre à côté du corps de la patronne. Ils doivent provenir du lampadaire en verre qui s'est cassé en tombant de la pièce. Il y a un lampadaire en verre cassé. Les débris ne sont absolument pas identifiables. Bah, c'est de la lumière, non? Non, c'est... Non, je sais pas. Encore la même arme, mais... en vrai, c'est toujours la même arme ou c'est comment dans ce jeu? Parce que... Rien d'autre qui ressemble à un indice par ici. Un morceau de papier. Il a dû tomber de la main de Mia. Qu'est-ce que ça peut bien être? Maya en sang, d'accord. Un mot écrit sur ce bout papier avec du sang. Maya? Est-ce Mia qui a écrit ça? Soit c'est elle, soit c'est l'autre. Ce morceau de papier est le reçu d'un grand magasin. Il date d'hier. Reçu d'un grand magasin au dos duquel des lettres ont été écrites avec du sang. Reçu, ajouté au dossier de l'affaire. Donc là, on a pas mal de choses par rapport à avant. Allez, assez fouiné pour le moment. Je ferais mieux d'appeler la police. Et découvrir ce que cette fille faisait ici. D'accord. Donc ça, on a fait. Ça, c'est quoi du coup? Apparemment, ils proviennent d'un lampadaire en verre. Donc c'est bien ce que je pensais. Ok. Mais là, du coup, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont vu? Il y a un grand bâtiment juste en face du bureau. L'hôtel Gatewater, un bel endroit très luxueux. Donc potentiellement ils ont vu quelque chose. En tout cas, il y a quelqu'un qui a pu voir. Ah, il y a ça. Le fauteuil de la patronne. Design simple et fonctionnel. On y est plutôt bien ainsi. Merci Finarel, des bisous. Merci beaucoup d'être passé. Et merci pour ton lurk. Ok, donc normalement là, il n'y a plus rien. C'est quoi si. Bon, je ferais mieux d'appeler la police. C'est bizarre. Certaines vis du combiné ont été enlevées. On dirait que quelqu'un s'apprêtait à le démonter. La police? Je vous en prie, venez vite. Ah, donc c'est l'autre. Qu'est-ce que c'était que ça? Quelqu'un crie dehors. Ah. Elle me regarde fixement. Elle a un téléphone à la main. Ok, donc c'en est une autre. Le livre de comptabilité du cabinet Fay & Co.
La patronne y a tout consigné, avec son écriture si soignée. C'est un petit cabinet, mais qui génère un bon paquet d'argent. Ok. Bizarrement, la patronne n'a jamais été douée avec les machines. Elle n'utilisait son ordinateur que pour ses emails. Elle a déniché ce vieux modèle dans un vide-grenier pour une bouchée de pain. Ok. Là, ça doit être tous les dossiers. Tous les documents importants de la patronne se trouvent là-dedans. C'est là qu'elle rangeait ses dossiers et les derniers jugements prononcés. Un bureau tout ce qu'il y a de plus normal. La patronne avait une conception assez particulière pour le décor du cabinet. Pour le client, on met le prix. Pour soi, on reste sobre. Ok. Et c'est tout du coup. Y a pas autre chose? Y a une poubelle? Non, non. Non, on a tout fait. Retour. Du coup, on va se déplacer. Cette fille que je viens de croiser, où a-t-elle bien pu aller? Je lui avais dit de s'asseoir juste là sur ce canapé. Oh oh, j'espère qu'elle ne s'est pas échappée. Non, elle est là. Ah bah, il faut pas qu'il joue un jeu d'horreur lui, hein, parce que il crie tout le temps. Hein. Ne me faites pas des frayeurs pareilles. Excusez-moi, mais qui êtes-vous? Tout va bien? Je travaille ici. Maya. Maya Faye. Maya Faye? Maya. Hey, il est long à la détente, lui. Mia a donc écrit le nom de cette fille. C'est sa sœur. Ça soit bien. Je devrais peut-être lui montrer le reçu. Non. Non, pas maintenant. Jamais je n'aurais pensé qu'un document pareil puisse servir en dehors d'un tribunal. Du coup, tout ça, j'ai fait. Non, j'ai pas fait ça. Un petit secrétaire sur lequel sont empilées des fournitures de bureau. Même avec la meilleure volonté du monde, aucun autre livre de droit ne tiendrait là-dedans. Alors oui, c'est tellement bien rangé que oui. Difficile de regarder ces étagères sans se sentir totalement insignifiant. Le bureau de la réception. C'est là que je m'assois généralement. Ah bon? Ben il est pas normalement avocat lui? La porte du bureau de la patronne, elle est légèrement entrouverte. J'aurais mieux de ne pas toucher à la poignée. Logique. Cette banquette est destinée au client. Elle est en cuir, un vrai modèle de luxe. Un grand tableau, je suppose qu'on appelle ça de l'art moderne. Bon, il est pas mal en vrai. Pour ma part, j'appelle ça une erreur. Il est chiant. Ok, donc tout ça on a fait. Ok, donc là je peux plus aller nulle part. Ce qui s'est passé? Elle a l'air choquée. Je ne veux pas la perturber, mais il faut que je sache. Excusez-moi. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé? Je suis entrée. Il faisait noir. Et ma sœur, ma frangine, a été donc déjà morte. Vous et le patron. Donc vous et Mia, vous êtes sœurs? Je suis sa petite sœur. Et vous lui rendiez visite à cette heure-là? Oui. Elle m'a dit qu'elle voulait que je garde des preuves pour elle. Des preuves? Oui. Cette pendule. Celle du penseur. Ok. Ok, vraiment? Moi, j'ai pas envie de lui présenter ça, moi. Je veux rien lui présenter, là, pour le coup. Mais je suis obligée. Parce que sinon, j'ai tout fait. Putain, j'avais pas envie de lui proposer de les... Bah après, je peux lui présenter le penseur, puisque je voulais au moins savoir pourquoi elle le voulait. Au sujet du penseur... Le penseur? C'était... ma frangine. J'aurais pas dû lui parler de l'arme du crime. Bah oui, mais moi, je pose des questions. Ça, je sais pas... on va devoir lui montrer ça, mais j'aime pas. Avant de mourir, Mia a écrit un message avec son sang. Elle l'a écrit au verso de ce reçu. C'est mon nom? Pourquoi? Pourquoi aurait-elle écrit mon nom? Bah, je sais pas, hein. Je vous en prie, calmez-vous. Pourquoi ma sœur aurait-elle écrit mon nom? Oh oh, trop tard.
Ah, ça y est. Donc je pense que c'était bien ça qu'il fallait montrer quand même. La police. On dirait qu'ils viennent par ici. Ne bougez plus. Police. Oh, bonjour monsieur. Détective. Détective. C'est pas mal. Pas mal le nom. Pas mal le jeu de mots. Oh, ok, je suis inspecteur Détective. Voyez. Détective, quel nom bizarre. Mais non, mais s'il te plaît. Oh, t'es chiant. Quelqu'un de l'immeuble d'en face nous a signalé quelque chose, voyez. Une personne nous a dit avoir vu un meurtre. Ok, donc il y a bien une personne qui a potentiellement vu. Ça doit être cette femme que j'ai aperçue tout à l'heure. Bon, je veux que personne ne bouge, ok. Génial, tout simplement génial. Maya, une seconde. Une seconde, elle n'aurait pas. Non. Je kiffe ce perso avec ses blagues. Ah ouais. Attends, il est drôle, détective. Coucou Nobodies, comment ça va? Ah ça. Vous avez vu le corps, monsieur? Excusez-moi. Ce mot, Maya, ça vous dit quelque chose? Ça... C'est mon nom? Quoi? La victime a écrit ce mot avec son sang, voyez. Je passe la question, je fais passer, je pars en... Ça marche, des bisous! Merci, Nobodies! Dans son dernier souffle, elle a écrit le nom de son assassin. Non. Non, c'est pas elle. Hein. C'est le mec avec ses cheveux roses. Affaire classée, je vous emmène au commissariat, ma petite dame. Quoi? Donc en fait, là maintenant, il faudra la sauver, sa sœur. Maya, la petite sœur de Mia, a été arrêtée sur le champ. On m'a emmenée pour un interrogatoire et je ne suis ressortie que le lendemain matin. J'avais les paupières lourdes, mais impossible de trouver le sommeil. Je suis restée assise, là, à attendre le début des heures de visite au centre de détention. Il fallait que je parle à Maya au plus vite. D'accord, donc on arrive, ok. On voit de nouveautés, des nouveautés, c'est pas mal. Le 6 septembre, 9h07, centre de détention, parloir. Eh ben, la pauvre Maya est enfermée ici comme une criminelle. Oh, en plus elle est trop chou. Oh, c'est vous, l'avocat? Bonjour. Bonjour. Elle a l'air très fatiguée. Vous allez être mon avocat? Eh bien, c'est justement de cela que je voulais vous parler. Si vous souhaitez, bien sûr, ce n'est pas possible. Déjà, ce n'est pas possible, non, parce qu'il faut la sauver. J'aurais dit quand même bien sûr, parce que voilà, il faut la sauver. Mais... Chaque chose en son temps, vaut mieux d'abord la réconforter. Bien entendu, réjouissez-vous. Mais pourquoi réjouissez-vous? Putain, il est nul. Vraiment? Oh oh, j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Elle est encore plus triste. Bah oui, réjouissez-vous. Putain, ta soeur elle est morte, toi tu sors. Réjouissez-vous. Non. Coucou Maliou. Comment ça va ma belle? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous ne m'en croyez pas capable? Personne. Personne ne pourra me défendre. Qui me croirait? Même vous, quand vous m'avez trouvé, vous m'avez regardé comme si j'étais coupable. Bah ça va très bien. Quoi de neuf, ma belle? Je l'ai regardé comme ça? Ah putain. Je l'ai regardé comme ça, moi? Non, non. Je n'ai jamais pensé. Ça va. Je comprends. Et puis, j'ai entendu parler de vous. De moi? Qu'avez-vous entendu à mon sujet? Je discutais avec ma sœur l'autre jour au téléphone. Aujourd'hui, mon jeune associé a fait ses premiers pas devant un tribunal. Waouh! Vraiment? Comment ça s'est passé? C'était du grand spectacle. Franchement, je suis restée sur les nerfs en permanence. Ça faisait longtemps. Ah! Alors il s'est planté en beauté? C'est un génie. Ah, du genre de ceux qui font cauchemarder les criminels. La seule chose qui lui manque, c'est de l'expérience. Eh ben, on dirait que tu t'es bien amusé. Maintenant, je sais à qui m'adresser si jamais j'ai des ennuis. Bon, donc potentiellement, elle savait qu'il y avait un problème déjà.
Je ne sais pas, Maya. Il est peut-être préférable d'attendre un peu. Ils sont après dans 3 ans. Oh, oups. Ah bah nous, on revient une semaine après. Hein, Donc ça de TFT, du coup, je joue à FTFT. Yeah! C'est bien. À moins que tu ne souhaites être déclaré coupable. Oh, s'il te plaît. Je sais pas que t'as pas sorti ça. Si. C'est ce qu'elle a dit. Je suis désolée. Je ne voulais pas vous vexer. Non, ça va. Je suppose que c'est la vérité. Mais d'un autre côté, je ne peux pas rester assis là sans bouger. Quand je pense à celui ou celle qui a fait ça à Mia. Je sais. On va examiner. Déjà, je veux ça. Je veux savoir si on nous prend en... Souriez, vous êtes filmés. C'est complètement ma blague. Bonjour, monsieur. Ce gardien surveille le parloir. Il n'a pas bougé d'un pouce. Un vrai pro, ce type. Mais d'ailleurs, normalement, ces gens-là, ils doivent pas être dehors, derrière la porte, normalement. Ok, donc là, il n'y a rien d'autre. Se déplacer. Donc, je peux retourner. Discuter. Maya. Il y a quelque chose que je voulais vous demander. Oui. Votre tenue, qu'est-ce qu'elle signifie? Ah, ça? C'est la tenue typique des acolytes. On peut dire que c'est mon uniforme. Des acolytes? Ceux qui suivent une formation religieuse? Vous faites quoi exactement? Oh, rien de bien étrange, vraiment. Je suis médium. Enfin, apprenti médium. Waouh. Médium. Moi, j'aurais qualifié ça d'étrange. Le jour du meurtre. Pourriez-vous me parler du jour du meurtre? Bien sûr. Voyons voir. Ce matin-là, j'ai reçu un coup de fil de ma sœur. Elle voulait que je lui garde une preuve pour un futur procès. Une preuve? Oui. Cette pendule en forme de penseur. Celle faite par Paul. Parle des fesses! En quoi cet objet pouvait-il faire d'office de preuve lors d'un procès? Elle a dit quelque chose à ce sujet. Je me souviens. Vous souhaitez l'entendre en parler d'elle-même? Elle-même? Oui? Je suis quasiment sûre que cette conversation est toujours dans mon téléphone portable. Vous l'avez enregistrée? Oh putain! Oui, je me souviens plus comment on fait pour supprimer ce genre de choses. Ah bah d'accord! Waouh! Votre portable. Vous dites que votre portable renferme une conversation que vous avez eue avec votre sœur. Écoutons-la. D'accord. Oh, je viens de me rappeler que cet inspecteur a pris mon portable. Désolée. Ah, bah, évidemment. La prochaine fois que je verrai l'inspecteur détective, je lui demanderai. Je peux vous faire un petit mot pour que vous n'oubliez pas, ok? Oui, bien sûr, merci. Conversation entre ma soeur et moi, est enregistrée sur mon téléphone portable. Ok. Note de Maya. Cool. Medium. Excusez-moi, je bois. Alors comme ça, vous êtes une acolyte. Une apprentie. Medium. C'est ça. La famille Fey, les femmes surtout, ont toujours été très sensibles au monde spirituel. Une petite minute, vous avez dit la famille Fey? Mais t'es complètement blond! Elle a dit qu'elle s'appelait Maya Fey. Si tu connais bien le nom de ton patron, Fey, et bah du coup, je sais pas, tu te dis vous êtes de la même famille, je sais pas. Alors Mia touchait également à ce genre de truc. Ah, c'était comme ça que tu pensais? Ah bah, ça peut-être pas, mais... Hein. Bien sûr. Oula. Elle a dit avoir quitté la montagne pour suivre sa carrière. Elle aussi avait des pouvoirs exceptionnels. Je n'en savais rien. Attendez. Quoi? Vous êtes donc un vrai médium, sans rire? Perception extrasensorielle et tout ça? Oui, mais apprenti. Mais alors, vous pourriez entrer en contact avec l'esprit de Mia? On n'a qu'à lui demander qui l'a tué. Pardonnez-moi. Je ne suis qu'apprenti. Je ne pourrais pas faire un truc d'un tel niveau. Évidemment, ça aurait été trop facile. Quoi? Quelque chose ne va pas?
Je peux poser une question? Je peux vous demander un service? Ceci est l'adresse d'un avocat renommé. Ma soeur me l'a donné il y a longtemps. Elle a dit que si un jour j'avais des ennuis, je devais l'appeler. Eh ben, j'ai des ennuis. Vous croyez que vous pourriez aller lui demander s'il accepte d'être mon avocat? Mais je viens de te demander moi. Ah purée. Qu'est-ce que je dis? J'accepte et potentiellement c'est pas moi qui gère ou je refuse. Mais parce que moi je l'ai proposé, je lui ai dit que moi je pouvais le faire. On sait rien moi. J'ai accepté parce que bon, c'est elle qui propose, mais bien sûr, pourquoi pas. Je vais aller le voir. Merci infiniment. Je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. Mais, et vos parents? Je vois. Ne vous inquiétez pas, je m'en charge. Merci. Le procès a lieu demain à 10h. Quoi? Demain? ça va beaucoup plus vite qu'au tribunal de France, hein? Demain. Et si ce type refuse? Ils m'ont dit que si je n'avais pas d'avocat, on en désignerait un d'office. Et vous savez jusqu'à quand? Cet après-midi, 16h. Et les heures de visite sont bientôt terminées. Je ferais mieux de me dépêcher. Ok, je reviens aussi vite que possible. D'accord. Donc maintenant, il va falloir que j'aille au cabinet d'avocat Rosenberg, du coup. C'est très rouge et très, très marronné, hein, ici. 6 septembre, cabinet d'avocat Rosenberg. D'après la réceptionniste, ce grand patron est sorti. Elle n'a pas su me dire quand il reviendrait. Ça ne doit pas être évident de se tenir au courant de tout lorsqu'on est un grand avocat. Sans parler de la gestion d'un cabinet comme celui-là. Bon, je reviendrai plus tard. Bah déjà, je vais quand même regarder un petit peu. Ça, c'est du coup... Ce tableau m'a dérangé dès que j'ai mis les pieds dans ce bureau. La couche de peinture à l'huile est si épaisse que j'en ai presque le nez bouché. D'ailleurs, je suis sûre que son prix a également de quoi couper le souffle. Ça va, hein? Une plante verte très chère. Aucune idée de du genre de plante que c'est, mais c'est sûrement la plus chère qui existe. Ah bon? Bon, ça va quand même. Une table destinée aux clients. Un élégant étui en ébène et si je m'abuse, ce cendrier est en or. On peut dire que quelqu'un ici a de l'argent à jeter par les fenêtres. Bah, qui dit qu'il aime bien? Mais tu te crois meilleur que tout le monde, Phoenix, non? Un solide bureau en acajou. Le bois a tellement été ciré qu'il brille. D'accord, la lumière. Ah non, oh, j'ai touché ça, d'accord. Les étagères en acajou, hors de prix, remplies de livres hors de prix. Bizarre, on dirait qu'ils n'ont jamais été ouverts. Qui vous dit que c'est pas une porte ce truc? Écoutez, c'est bon, j'ai tout fait? Là, y a rien? Non. Ok, j'ai tout fait. Du coup, bah, on va retourner. Je vais retourner quand même au cabinet d'avocat. Parce qu'on sait jamais. 6 septembre, cabinet d'avocat Fay & Co. Le bureau grouille d'officiers de police. Ils recherchent tous activement des indices. Hé, vous là-bas! Ceci est le lieu d'un crime, mon gars. Interdiction d'entrée. Excusez-moi. Je ne les ai pas déjà vus quelque part? Je sais, vous êtes un certain Defes, c'est ça? Ah non, non, c'est pas moi. C'est... Non, non. Phoenix Wright. Comment peut-on me confondre avec Paul? C'est vrai que vous n'avez pas la même tête, hein, mais bon. Ah, j'ai dû me tromper de nom, monsieur Wright. Je m'en excuse. Ce Defes, c'était un meurtrier. Et c'est pas votre cas, pas vrai? Il a été innocenté. Le mec qui n'a rien compris là. Exact. Et vous êtes? Inspecteur Dictective. Dictaphone, non mais. Tective, c'est bien ça. Dictective. Exact. À votre service. Une minute. Pour vous, je suis inspecteur Dictive, mon gars. Enfin bref, arrêtez d'écorcher mon nom. Et surtout, ne m'appelez pas Dick. Oh putain, depuis tout à l'heure, je l'appelle Dick. Très bien, Tective. Hé, hey Dick, amène-toi un peu par ici. Oui, monsieur. J'arrive tout de suite.
Ah oui, bah le pauvre. Hein. Vous êtes son avocat, c'est ça, mon gars? Si vous avez des trucs à faire par ici, je vous conseille de faire vite. Oh là, vous pensez que je suis l'avocat de Maya? De base, oui, tu l'es. Du coup, la plante. La plante verte préférée de Mia. Bah, c'est vrai qu'elle est belle. Je me souviens qu'elle avait un nom bizarre, le genre de nom dont personne ne se rappelle. Cordinine stricta, mon gars! Mais qui était-ce? Le mec qui écoute. Le ciel est gris et mon humeur aussi. Il y a cet hôtel juste de l'autre côté de la rue. On peut pas y aller à l'hôtel là? Parce que. Bah, je pense qu'on va y aller au bout d'un moment. Hein. Une vieille affiche de film. Apparemment, c'est le premier film qui a fait pleurer Mia. Il faudra que je le regarde un de ces jours. Bah, t'aurais pu la regarder avec elle, mais bon, elle est plus là. Le bureau de Mia, d'une propreté parfaite, comme toujours. La seule chose qui me manque, c'est Mia. Et là. Cette étagère contient un nombre phénoménal de livres de droit. Et ce qui fait encore plus peur, c'est que Mia les a probablement tous lus. Purée. Comment c'est possible de tout lire? Du coup, là, il n'y a plus rien. Par contre, je peux pas lui parler à lui. Oui, voilà. Concernant Mademoiselle Faye, avez-vous procédé à une autopsie? Vous aimeriez connaître les résultats, pas vrai? Oui. Ne me regardez pas comme ça, mon gars. Ça sert à rien. Ok, c'était votre boss, mais ça veut pas dire que vous aurez un traitement de faveur. Bon, d'accord. Vous pouvez voir le rapport, mais c'est tout. Date du décès, le 5-09 à 21h. Cause trauma par coup violent, morte sur le coup. D'accord. Rapport d'autopsie ajouté au dossier de l'affaire. Cool. Et du coup, Maya? Au sujet de Maya? Ouais, j'ai hâte d'être au procès. Désolé, mon gars, mais ce procès-là, vous n'allez pas le gagner. Pourquoi dites-vous ça? C'est Hunter qui a été nommé pour représenter l'accusation. C'est qui, Hunter? C'est qui? Je le connais. C'est parce que l'accusation, c'était Monsieur Boulet, non? Salut, Arthur, comment ça va? Je crois que c'était Monsieur Boulet. Du coup, il a été viré? Je sais pas, en même temps, il ne savait rien. Hunter, je suis sûre que vous savez ce que ça signifie, puisque vous-même, vous êtes avocat. Du coup, c'est qui Hunter? L'avocat Hunter. Exact, mon gars. Monsieur Benjamin Hunter en personne. Benjamin Hunter, d'accord. Une minute. Vous savez qui c'est, non? Bah, absolument pas. Moi, je sais pas qui c'est. J'ai jamais entendu parler de lui. Ouah! Et vous prétendez avocat, mon gars? Il y a environ 4 ans, ce Hunter est devenu avocat à l'âge de 20 ans. Donc il a 24 ans. Tout le monde dit que c'est un génie. C'est incroyable que vous ne le connaissiez pas. Bien sûr, je le connais. Je jouais juste à l'ignorant. Ah bon? Ah bah pas moi. Là, pour une fois, moi non. Je connais pas. Non. C'est une machine insensible, sans cœur, prête à tout pour condamner un accusé. Ah! Bon bah t'es un peu dans la merde là. Bien sûr, des bricots à propos de pots de vin et de fausses preuves. Mais je suis sûre d'une chose, la haine qu'Hunter voue au crime est quasi anormale. Eh, ça se trouve, lui, il a fait de la tôle avant. Je n'aurais jamais pensé me retrouver face à lui aussi rapidement. D'accord. Donc, il n'y a rien d'autre. Je peux pas présenter quelque chose. Oh non, je pense pas. En vrai, peut-être qu'on faut, peut-être faut retourner au centre de détention. Salut! Alors, ça y est? Vous avez rencontré cet avocat? Pas encore, parce qu'il n'était pas là. Je sais pas où il est. Navré. Je ne l'ai pas encore vu. Je vois. Je serais mieux d'aller voir si je trouve cet avocat d'élite dont elle me parle. On peut rien dire? J'avais pas dit ça déjà? Non, je crois pas. Je suis désolée, je sais que ça doit être difficile. Non, ça va. Ces dernières heures, je n'ai fait que ça d'en parler. Je commence à m'y habituer. Voyons voir. Ce matin-là, j'ai reçu un coup de fil de ma soeur. Elle voulait que je garde la pendule du penseur fabriquée par Paul. Pourquoi ça qualifie de tueuse en série maintenant? Ouais. À quelle heure êtes-vous arrivé au cabinet? Il était environ 21h. Donc au moment où ça a été fait. Coucou Cassie, comment ça va? Et merci pour ton à boire. Je vais tout de suite boire.
Voilà. Tac. Mais ça va très bien, quoi de neuf? Ça fait longtemps. Toutes les lumières étaient éteintes et il y avait une odeur de sang. Puis je l'ai trouvée, ma sœur. Merci Maya. C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre pour le moment. Et votre famille? Parlez-moi de votre famille. Je n'avais que ma sœur. Mon père est mort alors que je n'étais qu'une toute petite fille. Et je ne sais pas où se trouve ma mère. Elle ne sait pas? Cela veut-il dire qu'elle est toujours vivante? Bah oui, mais si elle se trouve, elle est partie très jeune, je sais pas. Bah oui, mais votre mère, on sait pas. Les femmes de la famille sont médiums depuis des générations. On dit que la perception extrasensorielle coule dans nos veines. Il y a une quinzaine d'années, notre famille a été impliquée dans une affaire. Il y avait cet homme, il a détruit la vie de notre mère. Détruit. Après ça, elle a disparu. Plusieurs années plus tard, ma sœur nous a annoncé qu'elle souhaitait devenir avocate et elle a quitté la montagne. Mais alors, vous vivez seule ? Oui, j'ai fini par m'y habituer. Et puis, il fallait que je devienne autonome ou je risquais de perdre mon pouvoir de perception. J'ai de la peine pour elle, seule dans cette montagne. L'ennemi de votre mère. Dites-moi, qui est cet homme qui a détruit votre mère ? C'était il y a une quinzaine d'années, pour une affaire de meurtre un peu inhabituelle. Ça avait fait beaucoup de bruit, tout le monde en parlait apparemment. La police était à court de pistes, elle commençait à perdre espoir. Une minute, ils n'ont pas fait appel à une voyante, quand même? La police a convaincu ma mère de tenter d'entrer en contact avec la victime. Waouh! Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'affaire a été résolue, enfin c'est ce qu'on croyait. Croyait? L'homme que ma mère a aidé à capturer était innocent. Le fait que la police ait fait appel à une voyante avait bien sûr été tenu secret. Mais un homme l'a découvert et l'a divulgué à la presse. Il a dit au journal que ma mère était un charlatan et les médias se sont acharnés. Elle, ma mère, est devenue la risée de tout le pays. Joie. White, excusez-moi. Excusez-moi, White. Oui, c'est lui, purée. Je suis. Quoi de neuf? Je vis à temps plein avec ma femme. J'ai ma voiture, une petite Toyota. En tant que voiture, en tant que plein de changements. Et c'est aussi pour ça que ça fait un bail que je suis plus là. Ah, c'est cool! Trop contente! Trop contente! Alors, il est comment le jeu? Il est trop bien, Arthur. Mais trop bien. Mais par contre, là, ça commence à être plus compliqué parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et là, ça commence à tout se mélanger. C'est un peu compliqué, là. Et pourtant, on est qu'au chapitre 2. Alors, je sais pas il y a combien de chapitres, mais je sens que ça risque d'être un peu compliqué. Et pour pas oublier les vieilles méthodes. Je crois qu'on a une commande. Une commande... pour faire des câlins. Je sais plus la commande. C'était son nom. Ma sœur me l'a dit. Right. Pardon? C'était le nom du mec? Putain. Oh, ça commence à se mélanger. Il faut que j'aille au cabinet, Rosenberg, si j'arrive à lui parler. Mais il est toujours pas là, lui. Purée, mais il fout rien. Oh purée, j'ai plus rien. Là, ça commence à être compliqué. Ça veut dire que ici, je dois faire quelque chose. Si je monte ça, elle va me dire quoi? Désolée, je n'ai pas vu ça avant. Non, je te demandais pas si tu l'avais vu. Ok, bon courage. Ça commence à être pas... Bah déjà, le high discord, il marche, mais je crois que t'as... putain, c'était quoi la commande pour le faire un câlin? Ah, Zork, il la connaît par cœur. Mais il est pas là. Je peux... En vrai, je sais plus. Non, mais moi, je suis sûre, ça, il faut que je montre quelque chose.
Ah, merci. Eh ben si, du coup. Si, c'est bien I hug et tu mets le pseudo de la personne. Si, c'est bon. Merci, les mots. Tu vas devenir modérateur, toi, un jour. En vrai, potentiellement, faut peut-être que je montre. Merci. C'est beau, ça marche. Peut-être si je lui montre ça. Oh. Ça, du coup, c'est elle. Et ça. Ah. Donc, c'était ça, fallait montrer. J'ai trouvé ça par terre à côté du corps de la patronne. Oui, je les avais vus aussi. D'après eux, il s'agit des restes d'un lampadaire en verre. Oui, ça m'a l'air d'être ça. Même si c'est la première fois que j'entends parler d'un lampadaire en verre. D'accord. Y a rien d'autre. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Faut peut-être que j'aille parler à... au mec là. À Detective. Peux parler? Non, j'ai fini de parler. Par contre, je peux présenter quelque chose. Si je présente ça. Je me demandais, auriez-vous vu le téléphone portable de Maya Faye? Ah ça? Oui, je l'ai. Pensez-vous qu'il soit possible de me le rendre? Bien sûr. Et attendez un peu, mon gars. Espèce d'avocat malicieux. Oh oh, démasqué. Oh, je vais lui dire directement, puisqu'on a la preuve. Si je lui dis pourquoi je le veux, il ne me le donnera jamais. Un problème? Oh non, c'est juste que... Vous savez, inspecteur? Non, je sais rien du tout, mon gars. Oh purée. Eh ben nous, Cassie, ça avance super bien les lives. J'ai fini mes années en comédie musicale, ça y est. Donc maintenant, je peux travailler. Et j'ai mon nouveau chez moi. Et ça, c'est mon nouveau chez moi. Voilà, derrière. C'est chez moi. Ce téléphone contient beaucoup de numéros de téléphone. Comme celui de son petit ami. Comment ça, là, on a un? Le portable d'une jeune fille renferme ses secrets les plus mignons et les plus coquins. Non, mais ça va, hé! Ouais, nouveau décor. Et puis, là, ici, j'ai fait l'Asylane. Voilà, j'ai fait l'Asylane cette année. Vous essayez de me troubler? Désolé, mon gars, j'ai déjà vérifié tous les numéros en mémoire. Impressionnant, vous êtes un sacré inspecteur. Oh, et puis, le voilà, votre téléphone portable. Ouais, donc en fait, fallait le... Je n'y ai trouvé aucun appel suspect, de toute façon. Ce mec, il n'est pas marqué à conversation enregistrée. Contient... Donc en fait, fallait bien avoir le téléphone. Ok, cool. Consultez le dossier de l'affaire pour écouter la conversation enregistrée. Je pense avoir posé toutes les questions nécessaires. Vous avez terminé, mon gars? Oui, merci. Je m'en vais maintenant. Oh, attendez. Encore une chose que je voulais vous dire. J'imagine que vous n'envisagez pas de parler à ce témoin. Et de toute façon, je vous le déconseille. Je vous interdis d'influencer le témoin avec vos manies d'avocat, mon gars. J'ai loupé trop de choses. Ouais, t'as loupé beaucoup, beaucoup de choses. Là, on est arrivé aux 200 followers. Ouais, je suis en train de manger des chips. C'est pas normal, mais c'est pas grave. J'avais que ça sur la main. Non, on avance super bien. Là, l'objectif, c'est avoir les 1000. J'aimerais bien les avoir en fin d'année. Ça serait pas mal en décembre. Mais je pense que ça m'étonnerait. Ah oui, du coup, oui, c'était pour elle. Maintenant que j'y pense, j'avais totalement oublié. Bah oui, on peut pas y aller. Le témoin? Oui, mademoiselle Machavrie. Copieux, je mange des chips aussi. Ah ouais? Vraiment désolée. Mais je peux rien vous dire à son sujet. Bien, vous venez me donner son nom. Mademoiselle Vril, non? Alors vous l'avez déjà envoyée chez elle? Vous essayez de m'avoir avec vos astuces d'avocat. Mince, je peux pas me follow deux fois. Et non. Par contre, tu peux faire un petit peu... Pas de pub, mais tu peux en parler sur chez des amis, quoi. Ça peut aider. Et je suis aussi... J'ai passé les 1000 followers sur Insta.
Si tu veux avoir un stat, tiens. Hop, je te les mets. Vous essayez de m'avoir, non, non, non. Elle ne doit pas sortir de sa chambre jusqu'au procès. Donc, elle est toujours dans l'hôtel en face. Inutile que j'essaie d'obtenir la moindre information de votre part, j'imagine. Vous avez bien raison, mon gars. Il est temps de rendre une petite visite à Mademoiselle Vril. Ah, je veux voir ça. Fais gaffe, tu as grossi avec les chips. Et toi? Toi aussi, tu grossis parce que t'en bouffes. Alors, chut. Ok. On peut rien dire de plus. Ok. Donc maintenant, j'aimerais bien... Voilà, l'hôtel Gatwater. Ok. Pas mal. Pas mal l'endroit. C'est très, encore très marronné. Hein. C'est 6 septembre. Hôtel Gatwater, chambre 303. Tiens. Bonjour, beau brun. Oh, purée. Oh, la dragueuse. Je suis déjà gros. Ouais, bah moi, je suis toute fine. Hein. Alors, chut. Bonjour. On se calme, White. On se calme. Mais qu'est-ce qu'il y a, White? Eh oh. Vous êtes l'avocat, c'est ça? L'inspecteur m'a dit. Il a dit, ne dites rien à cet avocat, mamzelle. Note pour moi-même, remercier l'inspecteur Tactif de me faciliter la tâche. Oh là là, on se croirait vraiment dans un film. Tout ça est si excitant que j'ai du mal à me contrôler. Purée. Elle est horrible. Oh, je vais aller me refaire une beauté, comme ça je serai la jolie témoin oculaire. Je plains l'avocat qui devra procéder au contre-interrogatoire de cette fille. On va d'abord... Pourquoi il y a ça, là? Un tournevis est coincé dans ce tiroir. Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur. Allons-y jeter un coup d'œil. Hé! Hé! Qu'est-ce que vous faites? Je vous interdis de toucher à ça. Ouh, vilain garçon! Vous ne devriez pas fourrer votre nez dans les affaires des autres, vous savez. Vous ne voudriez pas me faire de la peine, tout de même. De la peine? Pendant ce moment, j'ai bien cru qu'elle allait exploser. Bon, bah, ça fait un follow en plus. Merci! Peggy, 18. Là, vraiment, c'est... Ouais. C'est... Je me demande ce que peut bien contenir ce tiroir. Quelque chose. Du coup, on peut plus y aller maintenant? Si on peut. Je réessaye! Peut-être plus tard. Ok. Mais au moins, il fallait le refaire quand même. Des fausses fleurs. Je m'en doutais. Hormis les tournesols et les tulipes, ma connaissance florale est très limitée. Ouais, moi non plus, je pensais pas que ça ressemblait à des fausses fleurs, mais bon. Ah, une peinture morte. À moins qu'on dise plutôt une nature morte. Une nature morte, mais bon. Bref, il y en a une accrochée au mur. D'accord. Par contre, pourquoi il y a une bouteille de champagne là? Il y a une bouteille et deux verres sur la table. C'est vrai qu'il y a deux verres. Quelqu'un d'autre doit occuper la chambre avec elle. Du coup, l'endroit où on voit. Les derniers rayons de soleil de l'été entrent par la fenêtre. On voit le bâtiment du cabinet Fay & Co, bien entendu. On peut voir l'intérieur de la pièce assez facilement d'ici. Quoi qu'il me paraît assez difficile de reconnaître un visage de cette distance. Et du coup, le lit. Un simple lit. Il a été fait il n'y a pas longtemps. Rien de frappant ici. Ok. Il n'y a rien d'autre? Y'a rien d'autre. Par contre, j'ai envie de te parler, du coup. Ce que vous avez vu, vous pensez qu'on pourrait discuter tous les deux? J'ai besoin que vous me décriviez précisément ce que vous avez vu au moment du crime. Ouh, décrire, crime. Vous parlez comme les avocats qu'on voit dans dans ces films. J'aime les hommes qui possèdent un gros vocabulaire. Ah, purée. Oh, ah bah celle d'hier, elle était sympa, hein. Non, c'était... putain, c'était qui déjà qui parlait comme une personne bizarre, là. Coucou Rexa, comment ça va? Mieux vaut ne pas l'encourager. Phoenix, je suis sûr il en a envie. Vous savez ce qui s'est passé l'autre jour? Cette horrible chose? Qu'avez-vous vu quand elle s'est produite? Je suppose que vous ne pouvez pas m'en dire plus, même si je vous le demande gentiment. Voyons voir. Vous pouvez toujours rêver. Si vous voulez savoir, vous n'aurez qu'à venir au tribunal demain, monsieur l'avocat. Pauvre de moi.
Mademoiselle Vril, pourriez-vous... Vous êtes qui exactement? Ouh, monsieur l'avocat, essayeriez-vous de me draguer? Non. Hé, je fais seulement mon boulot. Vous savez que vous êtes mignon quand vous rugissez. Oh purée. C'est pire. J'ai la tête qui va exploser. Fin de créer une animation et de le coder au point de chaîne. Waouh. Et c'est quoi Bah tu peux me le dire en MP si tu veux, mais c'est quoi la... ton animation? Croyez-moi, c'est la première fois de ma vie que je rougis autant. Mais parce qu'il est mal à l'aise, c'est pas pour autre chose, c'est qu'il est mal à l'aise là. Bon, pouvez-vous juste me dire quel est votre métier? Eh bien... Non. Vous y croyez, hein? Pauvre de moi. Purée, elle est chiante. Ça marche, je regarderai tout à l'heure... avec ça. Mais je t'écrirai un message. Je vois qu'il y a deux verres sur la table. Vous êtes ici avec quelqu'un? Ouh, quel extraordinaire sens de l'observation. Vous devez être un super détective comme ceux qu'on voit à la télé. Oh non, moi, pas du tout. Je suis juste avocat. Dites, monsieur super détective, allez donc chercher des indices dans la poubelle. Mademoiselle Vril n'aime pas les petits. Mademoiselle Vril n'aime pas les petits avocats fouineurs. Pauvre de moi. Bah, ça suffit avec ton pauvre de moi, là. Bah ça, c'est un peu compliqué avec elle, hein. Et je vais rien lui montrer parce que elle, je la sens pas. Du coup, je vais retourner au centre d'avocats Rosenberg. C'est bon. Il semblerait que Rosenberg soit sorti. Je pourrais peut-être l'attendre ici. Alors ça, c'était le plus grand raclement de gorge que j'ai jamais entendu. Alors c'est vous qui me cherchez. Oui. Oui, c'est moi. Il est encore plus imposant que je ne l'imaginais. Ce badge sur votre col... J'en ai dit que vous êtes avocat, n'est-il pas? Oui, oui. Et que voulez-vous? Je ne suis pas trop occupée ces jours-ci. Je vous en prie, poursuivez. Pas occupée? Mais alors, pourquoi était-il impossible de vous joindre? Quelque chose ne va pas? Vous êtes venu voir le seul et unique Samuel Rosenberg, n'est-ce pas? Eh bien, me voici, mon garçon. Qu'est-ce qui vous amène? Je vous écoute. Eh bien, monsieur, en fait, c'est à propos de Maya. Maya Faye. Ok, il la connaît. Ah, oui. Maya Faye. Continuez. Pourquoi une telle réaction? Mais parce qu'il doit la connaître. Bah, c'est peut-être lui qui a géré pour la première, pour le meurtre de l'autre, là. Ta-ta-ta-ta. J'ai beaucoup à faire, mon garçon. Je ne peux pas accepter des dossiers du jour au lendemain, c'est impossible. Ah, attendez une minute. Comment savez-vous que le procès doit avoir lieu demain? Quoi qu'il en soit, il m'est totalement impossible de la défendre, j'en ai peur. Désolée, fin de la discussion. Qu'est-ce qui se passe? Il a refusé avant même que j'ai pu lui demander. Qu'est-ce que je vais dire à Maya? Eh ben, c'est toi-même qui vas gérer la situation, Coco. Par contre, tu m'as demandé... Pourquoi un tel refus, s'il vous plaît? Dites-moi pourquoi vous rejetez ce dossier. Eh bien, voyez-vous, c'est juste que... j'ai du travail, voyez-vous. Mais la cliente est la sœur de Maya Faye. Maya vous faisait confiance, elle savait que sa sœur serait entre de bonnes mains. Oui, bien sûr, je sais tout ça. Mais tout de même, je suis navrée, mais je dois refuser. Désolée, au revoir. Sale type. Très bien. Je n'ai pas le temps de discuter avec vous. De toute façon, j'y vais voir ailleurs. Je ne pense pas. Hein? Vous avez dit quelque chose? J'ai dit, je ne pense pas. Que voulez-vous le dire? Je suis vraiment... Vraiment désolée. Mais j'ai bien peur qu'aucun avocat digne de ce nom n'accepte ce dossier. Vraiment désolée, mon garçon. Pourquoi ça? Je ne peux rien dire. Ok, donc potentiellement, il connaît le tueur. C'est possible. Pardon, mais je dois vous demander de partir. Maintenant, je n'ai plus rien à vous dire. Qu'est-ce qui se passe ici? Eh ben, je vais quand même continuer. Comment savez-vous que Maya Faye... Elle a travaillé ici il y a longtemps. Une sacrée apprentie. Elle a appris tous mes trucs en un clin d'œil. Un jour, elle est partie
Assez subitement. Elle avait une mission, voyez-vous. Une mission ? Ça se voyait dans ses yeux. Elle la poursuivait avec une passion dévorante. Ah ça, elle n'en regardait jamais en arrière. Ok. Ce tableau est surprenant. Vous l'avez remarqué. Il fait ma fierté et ma joie. N'est-il pas impressionnant ? Eh bien, vous ne trouvez pas ? La couleur du ciel, les nuances de la mer, le tissage du chapeau de paille. Il vaut au bas mot 3 millions, mais je n'ai aucune intention de m'en séparer, bien entendu. Non, je ne le vendrai pas. Pas même à vous. Je n'étais pas intéressée. Il n'est pas à vendre. Je ne suis pas acheteur. Oh purée. Vous savez que je vais le laisser tranquille parce que lui, je le sens pas non plus. Par contre, je vais aller retourner au centre de détention. Ah la pauvre. 6 septembre 15h42, centre de détention par Loire. Salut. Oh, vous êtes revenu. Vous avez trouvé l'avocat? Eh bien, qu'est-ce que je lui dis? Eh bien, vous voyez, sois honnête. Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée de faire appel à ce type. Il ne m'a pas paru en très bonne santé. Il n'a que la peau sur les os. Mais c'est complètement faux, toi. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ne me dites pas que il a refusé de m'aider. Oui. Je vois. Tout le monde m'abandonne, alors. Encore quelques minutes avant que cet avocat désigné d'office n'arrive. 16h, on y est. Coucou Crisombi, comment ça va? Alors Hunger Games, comment c'était? Dis-moi tout! Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je la laisse là et je rentre chez moi? Tu vas te défendre Maya! Tu fais ton boulot! J'ai pris une décision. Je vais vous défendre que vous le souhaitiez ou non. Ça va bien et toi? Mais ça va! Franchement, j'ai adoré. Mais il était trop bien! Bon, c'est un peu long sur certains endroits, on est d'accord? Mais le personnage! Ah! Snow, il est dingue! Ça me paraît bizarre qu'il soit autant sur la défensive, je me dis qu'il a un truc. Mais oui, oui! Mais c'est sûr! Je pense qu'il connaît le tueur ou quelque chose. Je vais vous. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien... Oh, merci Crisombi pour ton sub! Merci infiniment! C'est super sympa! Merci, ça me touche. Oh tiens, voilà quelqu'un! Coucou Grinou, comment ça va? Ce n'est pas vous la coupable. Ce n'est pas vous la coupable, c'est quelqu'un d'autre. Comment le savez-vous? J'ai une intuition. Revoilà, désolé, pub finie. Ah, c'était pour enlever la pub. Ah, bah merci. Merci beaucoup. Du coup, t'as le petit louveteau des 1 mois. J'aime bien ce petit louveteau. Ah non, pas toi. Au vu des éléments de l'enquête, il serait facile de croire que Maya est l'assassin. Mais toute cette histoire m'a l'air bien louche. Le comportement étrange de ce témoin était juste du cinéma. Et la façon dont cet avocat a refusé d'aider Maya. Et pourquoi on est le tout? Elle n'a plus personne pour l'aider. Le Hunger Games, il est sympa. J'aime bien le... Alors, c'est le nouveau, c'est le dernier, là, qui est sorti. C'est bien lui que tu parles, Cassie. Parce que, ouais, franchement, Snow, il est dingue. Snow, il est dingue. C'est... Mais en fait, que déjà dans les films, dans Hunger Games, déjà on voyait bien qu'il y avait quelque chose. Qu'il y avait une histoire derrière qui pourrait être comme ça. Pour soutenir également une pierre de coups. Oh, merci infiniment. Merci beaucoup, c'est super sympa. Yep. Ça va, je viens de me réveiller, je prends une douche vite fait et après je prends Emodo. Merci. Merci beaucoup, Grinou. Je suis allée voir samedi. Bah pareil, trop bien. Lucie. Mais tu sais que Lucie Gray, c'est ça qui va jouer Blanche-Neige. C'est l'actrice. Alors, je l'aime beaucoup, hein, l'actrice. Hein. Mais pour moi, Blanche-Neige, non. Déjà, le nom. Ouais, c'est elle. C'est elle. Et elle a aussi joué dans West Side Story de Spielberg. C'est comme ça que je l'ai connue. Surtout le nombre de clins d'œil. Maintenant, faut...
Ouais, le nombre de clins d'œil, il y en avait pas mal. La Katniss, au moment où il l'a sorti, j'étais trop dingue. Ah, avec la pomme de terre. Après, l'arbre du pendu avec la musique. Ah. D'accord. Hop. Il n'y a rien de plus triste qu'une telle solitude. Je le sais, j'ai connu ça, il y a bien longtemps. Ah. Oh, la voix jeune! D'ailleurs, quelle est la raison principale qui fait que je suis devenue avocat? Parce qu'il faut bien que quelqu'un s'occupe de ceux qui n'ont plus personne à leur côté. T'as un problème quand Noir-Neige et cette dragon. Ah, mais j'avoue, je l'aime bien comme actrice. Hein. Mais là, non, s'il vous plaît. Un peu de respect pour Blanche-Neige. Déjà, au début du roman... Peau blanche comme la neige, les lèvres rouges comme le sang et les yeux noirs comme les ailes d'un corbeau. Eh ben déjà, il y a un problème, ça ressemble pas. Maya, je ne vous abandonnerai pas. Vous pouvez compter sur moi. C'est si gentil de votre part. Ah. Purée, on est toujours pas au procès? Je comprends ton point de vue. Ouais. Mais pour beaucoup, tu sais, c'est... J'avais une personne que je connaissais qui m'a... Quand j'ai expliqué ce point de vue-là, on m'a dit que j'étais raciste. Je pense pas que je suis raciste, hein. J'aime tout le monde, hein. Mais pour le coup, par rapport au roman, par rapport à... aux autres trucs, je peux pas... Déjà, La Petite Sirène, là, le film avec Halle Berry, qui chante magnifiquement bien, hein. Qui chante magnifiquement bien. Je l'ai écouté, mais je ne veux pas regarder le film. Parce que j'ai trop aimé Ariel en rousse et je ne peux pas, je l'aime tellement que c'est pas possible. C'est comme un jour où potentiellement on va nous mettre par exemple Pocahontas, elle sera blanche. Et ben moi je suis désolée, j'aime pas et je ne regarderai pas. Non. Mais il y en a beaucoup d'autres films que j'aime beaucoup de Disney, mais sur ça, je peux pas. N'importe quoi, c'est juste de la... Non, mais je te jure, il y en a, c'était ça. Ah, dis donc, t'es raciste, parce que tu veux pas laisser la place aux autres. Bah non. Alors, je sais que je ressemble à Blanche-Neige au niveau tête. Mais quand même. Ah, yeah, c'était pareil. Ouais, c'est ça. Ce que veut dire, c'est que tu as du mal avec des personnages qui existent déjà. C'est ça. C'est... Je préfère... En plus, ils ont tellement de... Ils ont quand même fait la Reine des Neiges 2, tu vois. Ils connaissent des choses. Ils ont pas besoin de reprendre des Disney, c'est bon, on les a. Idem, et ça n'a rien à voir avec du racisme, c'est juste la logique. Bah ouais, bah écoute, comment je me suis fait massacrer la gueule à cause de, quand j'avais dit ça, j'étais pas contente. Hein. Coucou Jérôme, comment ça va? Ouais, mais même La Petite Sirène, j'ai eu quand même du mal en vrai. Bon, on remonte nos manches et on vous sort de ce pétrin. D'accord, merci. Alors, enfin, ce qui c'est un sourire, elle est transformée quand elle sourit. Une dernière question. Vous êtes innocente, n'est-ce pas? Oui. Et j'ai confiance en vous. Alors, vous avez confiance en moi, d'accord? Marché conclu. Bon, qu'est-ce qui nous attend maintenant? Quelque chose me tracasse depuis un moment. Qu'est-ce que le tiroir de cette femme bizarre peut-elle contenir? Bah, moi, je pense que ça, c'était pour ouvrir la porte de chez Faye. Bah, ça va. Ça va très bien, Jérôme. Alors, je suis d'accord, je suis habituée par les personnages, donc ils ont qu'à créer d'autres choses, surtout qu'il y a d'autres choses très illogiques parfois. Bah, par exemple, Wish, le nouveau film qui va sortir en décembre. Ça, il n'y a aucun souci. Comme Encanto, je l'ai bien aimé. Parce que c'est pas des personnages qui ont été faits avant. Et bah, j'arrive pas quand ils refont quelque chose et que l'actrice ne ressemble pas. La Belle et la Bête, en live action, j'ai bien aimé. Parce que je trouvais que c'était pas mal. Voilà. C'est quand j'ai tenté de voir ce qu'il y avait dedans qu'elle s'est mise sur la défensive. Il doit y avoir quelque chose d'important là-dedans. C'était pour ouvrir, je suis sûre. Ok. Du coup, maintenant... On peut pas y aller, du coup, pour prendre... Ah. Bonjour, monsieur. Excusez-moi, vous êtes...
Oh, je vous prie de m'excuser, monsieur. Je suis le groom de cet établissement. À votre service, monsieur. Ah, d'accord. En même temps, ça se voit, hein. Faut pas être bac plus 50 pour capter, hein. Je suis simplement venue pour le room service, monsieur. Soyez-vous où se trouve mademoiselle Vril? Ah, je crois que notre hôte, mademoiselle Vril, utilise actuellement les... sanitaires. Si vous n'avez besoin de rien, je vais prendre congé. Je vous en prie, restez aussi longtemps que vous le voudriez. Profitez-en bien. Oui. Non? Attendez, hé! Pourquoi à chaque fois que je viens ici, je finis toujours mort de honte? Une minute, c'est l'occasion rêvée de fureter un petit peu. Ah, j'allais oublier. Ah! Vous êtes revenu rapidement. Pourrais-je vous demander d'informer mademoiselle Frink qu'il y a un message pour elle? Veuillez lui dire que monsieur White de la société Blue Corp a téléphoné. Ah! 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 Putain, c'est le... celui de Mia. Là, le truc avec la famille. Je pense que c'est le même mec. Donc il est de la société Blue Corp. Ok. Bah ouais, recréer un film dans les tendances actuelles, ça me dérangera jamais, mais le truc à jamais dire, s'il y a un classique qui existe déjà, ça sert à rien de le revisiter que ce soit. Bah oui, parce qu'on les a aimés comme ça, ils ont été écrits comme ça, et puis voilà, quoi. Oui, oui, d'accord, bien sûr. Monsieur White de Blue Corp, où est-ce que j'ai déjà entendu? Mais t'es chiant, Phoenix, hein. Même moi qui suis en train de parler à mon chat, je m'en rappelle. S'il te plaît. Je suis autre chose, hein. White, c'était son nom. Ma sœur me l'a dit. Oui, ben voilà. White est le nom du type qui a détruit la mère de Mia et de Maya. Voilà. Serait-ce une coïncidence? Non. Par contre, va me prendre ça, là, s'il te plaît. Dépêche-toi. C'est l'occasion de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Voyez-vous ça? Une bande d'écoute téléphonique. Qu'est-ce qu'une femme comme elle peut bien faire avec un truc pareil? Oh, excusez-moi. Trouvé dans la chambre d'hôtel de mademoiselle Vril. Ok. Cette mademoiselle Vril a vraiment quelque chose de suspect. Pourquoi avoir un truc pareil dans sa chambre d'hôtel? Il y a anguille sous roche, j'en suis persuadée. Bon, j'utiliserai cet indice demain au procès, c'est certain. Pour Maya. Je vais me la faire, cette femme. Je veux dire... Enfin bon, je me comprends. Oh, monsieur le grand, vous êtes encore là? Oh oh, il est temps pour moi de ficher le camp. J'ai hâte d'être à demain pour vous faire frémir, mademoiselle Vril. Au tribunal. Ah. Sauvegardez. Bien sûr que je sauvegarde. Hop, ici. Allez. À tout moment, c'est la madame qui se fait écouter. Je sais pas, en vrai. Quoi? Je l'avais pas fait? Si, c'est bon. 7 septembre, 10h, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 1. Ah! Pour une fois, c'est pas numéro 2. Je parlais de cela à une amie. Il essaie trop vouloir plaire aux minorités, mais s'y prend mal, comme elle disait, au lieu de donner de nouveaux persos qui représenteraient les Noirs et ou les communautés hors les Caucasiens, il donne des restes en mode « Tiens, voilà un vieux film random !» Rendons-le différent. Oui, c'est clairement ça. Et ça, je ne supporte pas avec Disney. Par exemple, Black Panther. De Marvel. Vous le voyez blanc, vous? Moi, je le vois pas blanc, je peux pas. Pourtant, je suis blanche. Alors. Si. Ah non. Je déclare la séance ouverte pour le procès de mademoiselle Maya Fey. Oh! C'est lui! Oh! Ah ben, oh, il est beau! Ah, il est beau celui-là! Il est pas mal! C'est mon préféré, hein, pour le moment! C'est celui que j'ai mis en photo, là, sur Insta. Et j'avais dit, c'est qui, lui? Il est trop beau! Grave, Black Panther blanc, ça aurait été une blague. Mais oui, mais moi, heureusement qu'ils l'ont pas fait. J'aime bien Black Panther comme ça, moi. L'accusation est prête, votre honneur. Et oui, pour tout personnage, ça marche dans les deux chances. Mais oui. La défense est prête, votre honneur. Benjamin Hunter.
Surtout ne pas me montrer trop nerveux ou il risque de me tomber dessus. Quoi, tu connais pas White Tiger en Antarctique tant qu'à modifier des filles. Monsieur Hunter, veuillez faire votre déclaration à la cour. Merci, votre honneur. L'accusée, Mademoiselle Maya Fey, se trouvait sur les lieux du crime. L'accusation peut prouver qu'elle était l'auteur de ce meurtre, car nous avons un témoin qui l'a vu commettre ce crime. L'accusation ne voit aucune raison de douter des faits de ce dossier, votre honneur. Je vois. Merci, monsieur Hunter. Nous pouvons commencer. Vous pouvez appeler votre premier témoin. L'accusation appelle l'officier de police chargé de l'affaire, l'inspecteur Detective. Surtout que ça aurait crié au raciste de changer la personne. Ben oui. Sauf que par contre, pour nous, c'est... Ah non, mais c'est normal, vous en avez trop, etc. Non, les gars, ça marche. Bonjour, monsieur Detective. Témoin, veuillez dire votre nom et votre profession à la cour. Monsieur, mon nom est Detective, monsieur. Je suis l'inspecteur chargé des homicides au commissariat, monsieur. Inspecteur Detective, veuillez nous décrire en détail ce meurtre. Très bien, monsieur. Permettez-moi d'utiliser ce plan pour vous expliquer. Alors, là, c'est la porte. Du coup, elle était ici. Il y a le truc de verre. Et nous, c'est ce qu'on a vu ici. D'accord. Le corps a été retrouvé à côté de cette fenêtre, juste ici. Et quelle est la cause du décès? Hémorragie entraînée par un coup violent, monsieur. L'âme du crime est une statue du penseur. Ouais, elle était bien là. Retrouvée juste à côté du corps, monsieur. Assez lourde pour devenir une arme mortelle, même dans les mains d'une jeune fille. La cour accepte la statue comme pièce à conviction. Il continue d'appeler ça une statue, alors que c'est une pendule de base. On dirait un préservatif. Ah ! Rexa ! Sérieux ! Plan du bureau ajouté au dossier de l'affaire. Purée, mais j'ai trop de plans, j'ai trop de choses, hein. Dans le dossier. C'est quoi cette tenue là? Monsieur inspecteur. Oui, monsieur. Vous avez immédiatement arrêté Mademoiselle Maya Fey qui se trouvait sur les lieux du crime. Exact. Pourriez-vous nous dire pourquoi? Bien sûr, monsieur. J'avais des preuves irréfutables de sa culpabilité, monsieur. Moi, j'ai toujours dit tant que cela crée pas d'incohérence, les changements ne me dérangent pas. Sinon, moi. Dis-moi, limite, voici une adaptation. Oui, voilà, je préfère. Mais là, ils disent que Blanchet, c'est pareil. Non. Il n'y a même plus les sept nains, il n'y a plus rien. C'est bon. Hein. Appelez ça un autre nom, je sais pas. Inspecteur Detective, veuillez indiquer à la cour quelles sont ses preuves irréfutables. Ok, déposition. C'est là où je vais un peu moins vous lire. Arrestation de Maya Fey. Dès que nous avons reçu l'appel, je me suis précipitée sur le lieu du crime. Par contre, attendez, je vais juste regarder. Ok, j'ai ça. Et R en profil. Donc c'est elle, la victime. Maya, donc elle a 17 ans. D'accord. Detective. Samuel Rosenberg. Donc 64 ans. Masha, qui a 23 ans. Benjamin Hunter qui a 24 ans, du coup j'avais bien, je pensais bien. Et le groom 26 ans. Ok. D'accord. Dès que nous avons reçu l'appel, je me suis précipitée sur le lieu du crime. Ça se tient, ouais. Il y avait déjà deux personnes sur place. Donc il y avait moi et Maya. L'accusée, Mademoiselle Maya Fey, et l'avocat, Monsieur Phoenix White. C'est vrai. J'ai immédiatement arrêté Mademoiselle Maya Fey. Pourquoi? Parce que nous avions reçu la déposition d'un témoin la décrivant. Ouais, parce que elle, certainement, elle a dû voir quelqu'un arriver. Et cette naine, là, ils sont revenus dessus il y a 15 jours. Ah bon? Surtout pour les nains, je trouve cela chien car il a pas beaucoup de films où t'as des acteurs nains qui peuvent jouer. Donc voilà, on a prouvé ce truc. Ouais. Alors que t'as... T'as dans Hunger Games, tu as celui qui a joué dans Game of Thrones, qui est dedans et qui joue très bien. Le témoin a vu Mademoiselle Fey au moment même du crime. Ça, c'est un peu faux quand même. Au moment même, vous dites. Très bien. Monsieur White, vous pouvez interroger le témoin. Oui, votre honneur. L'interroger, mais sur quoi? Bah là, c'est vrai que là, j'ai pas d'idée. Hein.
Je n'ai décelé aucune contradiction dans ce témoignage. C'est totalement vrai. Je crois même qu'il sera dedans. Ah ouais? Bah en même temps, il joue très bien. Re Cassini. Poc. Hé, Maya vient juste de me lancer quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Lorsque ma sœur ne trouvait aucune contradiction dans la déposition d'un témoin, elle bluffait et interrogeait le témoin sur chaque détail. Donc c'est ce que je faisais pour la première. Le témoin fait toujours une gaffe et dit quelque chose d'incohérent. Cela a fonctionné un tas de fois. J'aurais dû me douter que Maya connaissait certaines astuces de sa sœur. Très bien, essayons voir. Quelque chose ne va pas? Pas du tout, votre honneur. Je souhaiterais commencer mon contre-interrogatoire. Donc je vais faire tout le temps. Dès que nous avons reçu l'appel, je me suis précipitée sur le lieu du crime. Un instant. Ah ouais, Rexa? De qui avez-vous dit avoir reçu un appel? Bah du coup, de la fille. Eh mon gars, ne faites pas l'ignorant, vous savez très bien de qui. L'appel provenait d'un client de l'hôtel Gatwater, situé juste en face du lieu du crime. Bon, j'ai attaqué, mais je ne suis pas sûre que cela ait servi à grand-chose. Bien, veuillez poursuivre. Il y avait déjà deux personnes sur place. Inspecteur détective, selon vous, combien de temps s'est écoulé entre le moment où vous avez reçu l'appel et votre arrivée sur les lieux du crime? Eh bien, je dirais environ 3 minutes. Ma foi, c'est plutôt rapide. Notre devise du mois, c'est rapidité d'action. C'est pourquoi je suis arrivée là-bas avant que l'assassin n'ait le temps de s'enfuir. Effectivement. Alors, dites-nous qui étaient les deux personnes présentes sur le lieu du crime. Oui, monsieur. L'accusée Mademoiselle Faye et l'avocat Monsieur Phoenix. Êtes-vous absolument certain que c'était nous? Quand même, là, vous êtes là devant. Écoutez, mon gars, votre petit numéro ne vous mènera nulle part. Avec ces vêtements de hippie, votre coiffure d'hérisson... C'est une coiffure d'hérisson. C'est vrai qu'il a une coiffure d'hérisson. On aurait dit deux suspects sur les lieux d'un crime. Ma foi, il n'a pas entièrement tort à son sujet. Maintenant, je vais l'appeler l'hérisson. Ouais, ils ont pris Galgaldo en méchant. Ouais, mais en vrai, par contre, en méchant, je l'aurais jamais vu méchante parce que la méchante reine, hein, elle dit que normalement, elle veut être la plus belle du monde. Ah, et que c'est le miroir qui dit « Non, c'est Blanche-Neige qui est la plus belle. » Et bah du coup... Yes. Là, pour le coup, c'est la méchante reine qui sera beaucoup plus belle. Non, la pub. Ah. Parfois, elle est assez caractéristique. J'aurais mieux choisi mes arguments pour attaquer quand il faut. Non, il faut attaquer tout. J'ai immédiatement arrêté Mademoiselle Mama Faye. Trois pubs d'affilée. Ah. Pourquoi ça? Pour quel motif? Parce que nous avions reçu la déposition d'un témoin la décrivant. Attendez une petite seconde. Oui. Si j'ai bien compris, vous dites l'avoir arrêté car vous avez des preuves irréfutables de sa culpabilité. Ah oui? J'ai dit ça, moi? Oh bah oui, quand même. Sonic Wayne. En effet, c'est ce que vous avez dit. Vous l'avez dit. Où donc voyez-vous des preuves irréfutables dans les propos de cette étrange femme en rose? Quoi? Mademoiselle Vryn n'est pas étrange et elle n'a vraiment rien d'une rose, mon gars. Mais on peut dire qu'elle est épineuse. Ça suffit. Inspecteur détective, avez-vous d'autres preuves tangibles en dehors de sa déclaration, inspecteur? Je vois que le fait d'attaquer peut avoir ses avantages. Oui. Ah. Désolé, monsieur. Je me suis emmêlé les pinceaux dans mon témoignage, votre honneur. Il y a quelque chose que j'aurais dû vous le dire Il y a quelque chose que j'aurais dû vous dire en premier, votre honneur. J'arrive plus à lire. Très bien, inspecteur. Écoutons de nouveau votre témoignage. Preuve irréfutable. D'accord. Après m'être occupé du suspect, j'ai passé le lieu du crime au peigne fin. Oui. J'ai trouvé une note écrite sur un bout de papier à côté du corps de la victime. Maya. Oui, je l'ai vue. Sur cette note, le mot Maya était clairement écrit avec du sang. Les résultats du labo ont démontré qu'il s'agissait du sang de la victime. Ok. Et on a également trouvé du sang sur le doigt de la victime. Avant de mourir, la victime a écrit le nom de son assassin.
Non, c'est l'autre qui lui a écrit, parce qu'elle est morte sur le coup. C'est pas possible. Elle est morte sur le coup. Qu'est-ce que vous en dites? La voilà ma preuve irréfutable. C'est écrit morte sur le coup, donc c'est pas possible. Elle a pas pu l'écrire. Avant de passer au contre-interrogatoire, j'ai une question à vous poser. Votre honneur? Pourquoi n'avez-vous pas mentionné cet élément crucial la première fois? Je sais, je suis désolée, ça m'était sorti de la tête, votre honneur. Tâchez de faire davantage attention. Très bien, la défense peut commencer son contre-interrogatoire. Vraiment, le moment où j'ai vraiment envie de commencer directement par présenter pour quand il dit que c'est elle qui a écrit. Parce qu'elle est morte sur le coup, donc c'est pas possible. Après m'être occupée du suspect, j'ai passé le lieu du crime au bagne-vin. Ça, c'est complètement vrai. Je trouvais une note écrite sur un bout de papier. Ouais. Sur cette note, le mot Maya était clairement écrit avec du sang. Ok. Les résultats du labo ont démontré qu'il s'agissait du sang de la victime. Ok. Et on a également trouvé du sang sur le doigt de la victime. Ok. Avant de mourir, la victime a écrit le nom. Non. J'ai envie de présenter. C'était où? Morte sur le coup. Non. Inspecteur détective, il y a une chose que je souhaiterais que vous éclaircissiez pour moi. Vous dites que la victime Maya Fey a écrit cette note. Quel incriminé l'accusé Maya Fey? C'est vraiment ce que vous êtes en train de dire? Quoi? C'est encore un de ces trucs d'avocat, je parie. Évidemment que c'est elle qui l'a écrit. Qui d'autre sinon? Vous avez tout compris de travers, inspecteur. Travers. La victime est justement la seule personne qui n'ait pas pu écrire cette note. Voici un rapport provenant de votre département, inspecteur. Décès immédiat causé par un coup violent. Elle est morte sur le coup. Mais il n'y a pas de mecs qui tiennent ici, inspecteur. C'est vrai. Silence. Mais silence. La défense marque un point. On dirait que c'est un match de foot, le truc. Ah, la défense marque un point. Une personne décédée sur le coup n'aurait pas eu le temps d'écrire quoi que ce soit. Oh, la voix. Monsieur Wright, excusez-moi, mais quand avez-vous reçu ce rapport d'autopsie exactement? 1-0, c'est ça. Quand? Ah, putain. J'ai pas un truc qui me dit. Je peux pas crier. Je sais plus. Il l'avait dit, je crois. Date du décès. Putain, je sais plus. J'aurais dû dire le lendemain du meurtre. Hein. C'était le lendemain du meurtre. Où l'accusation veut-elle en venir? Putain. Ce rapport d'autopsie est périmé, votre honneur. Comment ça? Bah oui, c'est ça, Cassie. C'est pour ça que je pense. Pardon. Une deuxième autopsie a été réalisée hier à ma demande. Le décès a eu lieu presque immédiatement après que le coup a été porté. Mais il est possible que la victime ait survécu plusieurs minutes après l'agression. J'ai reçu ces résultats ce matin. C'est impossible! Votre honneur, on peut facilement imaginer que la victime ait eu le temps d'écrire le nom Maya. Ça changeait rien du coup. Bah ouais. Ah! Arrête-toi! Ça sera tout. Oh putain. Je l'aime bien. Hein. Et lui, par contre, il est beaucoup plus intelligent que Monsieur Boulet. Je vois. Allez, au diable, Hunter. J'aurais dû me douter que vous aviez encore un tour dans votre sac. Non. Eh bien, Monsieur White, vous avez l'air consterné. Y a-t-il autre chose que vous souhaitez nous dire? Pas je suis un fourbe. Vous êtes un fourbe, Hunter. Monsieur Hunter, j'ai entendu que vous feriez n'importe quoi pour arriver à vos fins. Je sais pas, Cassie. Possible, hein? Alors, pour quelle raison avoir demandé un second rapport d'autopsie? Monsieur White, la cour ne tellera aucune attaque personnelle à l'encontre de l'accusation.
Laissez, votre honneur. Oh, purée. Monsieur Wright, de toute façon, le contenu de ce rapport est incontestable. Votre honneur, je soumets ce rapport à la cour. Oh, entendu, la cour accepte cette pièce à conviction. Décès dû à un coup violent a peut-être survécu quelques minutes après le choc. Ok. Eh bien, votre honneur, cet élément suggère fortement que la victime cherchait à nommer son assassin. Je pense que c'est assez évident, on en fait. Arrête ! Zut, ça s'annonce plutôt mal. L'accusation souhaiterait appeler le témoin suivant. Oh, c'est la pauvre la fille, là. Cette pauvre et innocente jeune femme a vu le crime de ses propres yeux. Oui, je fais déjà. Parce que vraiment, son caractère, elle est chiante. Que mademoiselle Machavry vienne à la barre. Qu'est-ce qui est vraiment innocent chez elle? Je suis pareil. Et attention! La voix de la débile, c'est maintenant. Témoin, votre nom, je vous prie. Machavry, à votre service. Clin d'œil. Silence! La présentation d'un nouveau témoin ne devrait susciter aucune réaction. Le témoin devra dorénavant s'abstenir de faire des clins d'œil. Oh, d'accord, votre honneur. Ça peut arriver que si on demande. Plusieurs minutes, il est arrivé 3 minutes après le meurtre, donc elle pouvait être en train de l'écrire s'il y avait l'inspecteur. Oh, c'est rien. Ça ne va pas arranger mes affaires. Elle a déjà conquis le cœur de tous les hommes à la cour. Oh purée. Dites-nous, vous étiez le 5 septembre au soir au moment du meurtre. Mince alors, j'étais, je crois, dans ma chambre d'hôtel. Je suis arrivée à l'hôtel juste après le déjeuner. Et cet hôtel se trouve juste en face du cabinet Fay & Co, c'est bien cela? C'est exact, mon grand. Veuillez dire à la cour ce que vous avez vu. Attention, elle, c'est une michto. Récit du témoin. Il était environ 21h, je regardais par la fenêtre. Oui, c'est ça. C'est logique, à 21h, elle était déjà morte. Elle était morte. Et là, oulala, j'ai vu une femme aux cheveux longs se faire attaquer. Ok, oui. Son agresseur était cette femme aux cheveux brunâtres assise sur le banc des accusés. Les hommes ont le barreau, Puis la femme a fait comme une esquive, puis elle s'est enfuie. Mais cette fille, elle l'a rattrapée et elle l'a frappée. Puis la femme aux cheveux longs, elle s'est comme affalée. Fini. C'est tout ce que j'ai vu. Chaque mini détail. Clin d'œil. Eh bien, votre honneur, je vois. Il s'agit d'un témoignage remarquablement solide. Je ne vois aucune raison de retenir le témoin plus longtemps. Un instant, votre honneur. Oui, monsieur White? Qu'en est-il de mon contre-interrogatoire? Je pensais que ce témoignage était assez solide. N'êtes-vous pas de cet avis? Absolument pas. Monsieur White, je crois savoir que vous étiez le suppléant de Mia Fey, n'est-ce pas? Vous devez bien connaître ses techniques. Sa façon lâche de rechercher d'infimes fautes dans de parfaits témoignages. Hé! Comment osez-vous? Bien, monsieur White, c'était vous interroger le témoin. Bien entendu. C'est avec plaisir que je vais procéder au contre-interrogatoire. Ne serait-ce que pour déplaire à Hunter. Si ça se trouve, il est pas gay, lui. Parce que... Je sais pas, Hunter et lui, je trouve qu'ils iraient très bien ensemble. Elle doit bien avoir un point faible. Très bien, vous pouvez commencer votre contre-interrogatoire. On va faire les petits culs. Récit du témoin. Ah. Il était environ 21h, je regardais par la fenêtre. Alors déjà, pourquoi tu regardais par la fenêtre? Fini! Et plus de bouteilles! Pourquoi avez-vous fait cela? Hein? Pourquoi? Mais enfin... Pourquoi quoi? Eh bien, pourquoi avoir regardé par la fenêtre? Vous espériez voir quelque chose? Oh! Mince alors! C'est tout! ça commence bien pour moi, là! Elle ne peut pas se débiner aussi facilement! Ah bah, j'ai plus! Il n'y a plus d'eau!
J'ai fini, Boba, Crisombi. Est-ce que ça serait possible de redonner les points? Pour ça, je l'ai mis. Ah bah donc, c'était pour avant. C'est bon, tu veux bien? J'avais comme... vous savez... Wesh J'avais comme un pressentiment. C'était pour faire chier. Ah bah d'accord, hein. Moi je vais me faire ban, hein. Et moi j'ai le pressentiment qu'elle essaie d'esquiver la question. Je vais peut-être insister davantage sur ce point. Insister? Voyons voir jusqu'où je peux aller avec ça. Vous deviez avoir une bonne raison de regarder par la fenêtre à une heure si tardive. Je... Ah. Mais oh! Monsieur White, je vais pas vous laisser harceler mon témoin. Dans pas longtemps, tu vas voir. Harceler? Vous ne cessez de l'importuner avec ces questions sans intérêt. Je pense vraiment qu'on ne devrait pas vous autoriser à poursuivre. Oui, oui, arrêtez-le! Pauvre petite. Silence! Monsieur White, vous avez reçu un avertissement. Pourquoi? Pauvre petite, pauvre de moi plutôt. Vous avez regardé par la fenêtre, qu'avez-vous reçu en... Mais pourquoi j'ai eu un avertissement? Mais... J'y suppose, j'ai juste demandé. Et là, harcèlement de témoin très cher. Bon, ça va, en même temps, je savais pas quoi dire. Et là, oulala, j'ai vu une femme aux cheveux longs se faire attaquer. Un instant. La femme aux cheveux longs, c'était bien Mia Fey. Oui, plutôt mince, certains diront jolie si c'est ça votre truc. Oui, bah, elle est belle, hein, oui. Mon truc. Et son agresseur? Son agresseur était cette femme aux cheveux brunâtres, assise sur le banc des accusés. Un instant. Comment pouvez-vous savoir ce qu'il s'agissait d'accuser? Eh bien, vous savez, elle avait un physique d'adolescente. Les femmes savent ce genre de choses. Écoutez, je sais, c'est tout, d'accord? Il n'y avait qu'une seule personne petite et au physique d'ado sur le lieu du crime. Ce témoignage est en béton, votre honneur. Il a raison. Je mets en doute ce témoignage. Attendez une minute. Ce témoignage est bidon? Quoi? Mademoiselle Vril, je suis prêt à parier que... Comment je peux dire? Ah, si, vous n'avez rien vu. Parce qu'elle est loin. Elle peut pas vous... Je crois que quand on avait regardé la fenêtre, c'était trop loin pour voir les têtes des gens. Potentiellement. Elle a dû voir quelque chose? Êtes-vous bien sûr d'avoir vu l'accusé? La fenêtre n'est pas possible à voir d'aussi loin. Ouais, mais jusqu'à si, attends un petit peu le temps que je... Heureusement, je l'ai vu avant, ce que je voulais dire. Mais dis-le un peu plus tard, parce que sinon c'est un peu du spoil, tu vois. Monsieur White, qu'est-ce que cela signifie? Oui, ça signifie quoi? Merci de m'expliquer parce que je n'y comprends plus rien. D'accord. Si c'est vraiment ma cliente, Mia Fey, que vous avez vue, vous auriez remarqué ses vêtements avant de remarquer son physique. Ah pardon, oui, merci. Mais t'inquiète, tu peux le dire après que je l'ai mis. Mais attention de ne pas le dire avant. Juste. Personne ne porte ce genre de vêtements dans la vie de tous les jours, à part elle. Et je ne suis pas un spécialiste de mode, mais sa coiffure me semble plutôt inhabituelle. Néanmoins, la déclaration du témoin ne fait nullement allusion à ces éléments. Ce témoignage est une pure invention. Mais, toujours est-il que nous ne savons pas si elle portait ses vêtements le soir du crime. Elle les portait, votre honneur. Je l'ai vu, tout comme l'inspecteur Tective. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça, mademoiselle Vril? Qu'est-ce que vous voulez dire, espèce de sale avocat? J'ai vu ce que j'ai vu. Je ne pensais pas que le moindre détail avait de l'importance, mon chou. Oui, ce sera triste que je spoil un peu un jeu que j'ai jamais fait. Ah, tu l'as jamais fait non plus? Bon, alors ça va alors. Mademoiselle Vril, la cour souhaiterait vous rappeler de ne rien omettre dans votre déclaration. Je suis désolée, votre honneur. Je serai sage, je vous le promets. Clin d'œil.
Revenons à votre témoignage, si vous le voulez bien. Zut, je la tenais presque. Mais tu vas la tenir. Récit du témoin. J'ai vraiment tout vu, je vous assure. La victime, la femme a esquivé la première attaque et s'est enfuie vers la droite. Aucun jeu de la série. Ok, bon bah alors ça va. Attaquer et s'enfuir vers la droite. Vers la droite? Mais la statue, on l'a retrouvée à droite. Et du coup, le coup a été fait à droite, non? Puis la jeune fille habillée en hippie l'a poursuivie. Et elle l'a frappée avec cette arme. Je l'ai vue, je vous assure. Cette pendule, cette espèce de pendule statue, le penseur, je pense. Alors les actitudes de ma déclaration ne vous surprendra-t-elle pas? Je vois. J'aurais juste préféré que vous soyez aussi précise dès le début. Mais comment c'est le contre-interrogatoire? Ah purée, ça commence à être compliqué. J'ai vraiment tout vu, je vous assure. Mais oui, mais Grinou, c'est complètement ça. À chaque fois, je vois ça. Mais alors, vous m'avez vu moi aussi? Bien sûr. Comment pourrais-je oublier cette tête d'hérisson? Chez hérisson. Le témoin s'abstiendra d'attaquer personnellement l'avocat de la défense. Mais la pub cargue. Oh, je n'ai pas été sage. Je suis si désolée. Très bien, poursuivez. La victime, la femme, a esquivé la première attaque et s'est enfuie vers la droite. Par contre, je veux juste voir un truc. Laissez un coup violent. Ah! J'ai pas écouté, c'est vrai. 5 septembre 9h27. Mia, quoi de neuf? Ça fait un moment que tu ne m'as pas appelé. Eh bien, en fait, je voudrais que tu gardes quelque chose pour moi. C'est une pendule. Elle a la forme de cette statue, le penseur, et elle dit l'heure. Ah, en fait, il faut que je te dise, la pendule ne parle plus. Oh, elle ne marche plus? Quel dommage. J'ai dû retirer le mécanisme. Désolé, j'ai glissé des documents à l'intérieur. Documents, c'est ça la preuve. Pense ce que tu veux. À ce soir, 9h. Ok. On dirait les filles qui sont comme « Oh, j'ai pas été sage, il va falloir me punir. » Clin d'œil, clin d'œil. C'est complètement ça. Moi, j'aimerais bien quand même présenter ce truc. Parce que je crois que là, on voit que la statue, elle était là. Mais peut-être qu'il faut juste... Avant, peut-être que je vais juste faire un instant. Vous voulez bien parler votre droite lorsque vous regardiez de l'hôtel? Avec quelle main je tiens mon couteau déjà? Droite. C'était à ma droite. J'ai bon. Satisfait, monsieur White. Veuillez poursuivre. Puis la jeune femme habillée en hippie l'a poursuivi. Je vais attendre quand même le temps. Comme c'est commode pour vous de vous souvenir de ces vêtements de hippie. C'est ce que je vous dis? C'est ce que vous... Je veux dire, ce qu'elle portait. Oh, et elle portait un chignon aussi. Que s'est-il passé ensuite? Et elle l'a frappé avec cette arme, je l'ai vu, j'ai tout vu. D'où provenait cette arme? Elle l'a prise sur le bureau. Je vois. De quelle sorte d'arme s'agissait-il? Cette pendule... cette espèce de pendule statue, le penseur, je pense. Une pendule? Je n'aurais pas déjà entendu ça récemment dans un autre témoignage. Bah oui, bah c'est le truc qui était juste avant, quoi. Bah alors, ne soyez pas si aigri, monsieur l'avocat. Vous ne pouvez pas toujours gagner. Non, mais maintenant, j'ai l'impression d'être sur une piste. Comment ça? Même moi, j'ai pas la piste, là. Cette pendule. Est-ce qu'il faut pas montrer la pendule? Je vais la montrer. Je sais pas, mais là, franchement, j'aurais pas su, hein, vraiment. Mademoiselle Vril, ce que vous venez de dire à l'instant était assez transparent. Transparent? Oh, ça vous plairait, hein, ça, hein? Coquin, va. Elle m'énerve.
Vous venez de dire que cette statue du penseur était une pendule. Mais il est impossible de le savoir simplement en la regardant. Bah oui, c'est vrai, parce qu'elle était loin. Oups. J'ai connu quelqu'un dans la même situation qui a également dit que c'était une pendule. Et il a été reconnu coupable de meurtre. Silence! Mais silence! Mademoiselle Vril, pourriez-vous nous expliquer comment vous saviez que c'était une pendule? Bichon, je pense qu'elle me fait du charme. Oups. Mais non, mais... Le témoin a vu le crime de ses propres yeux. C'est tout ce qui importe ici. La défense essaie de compliquer les choses avec des questions sans intérêt. Oui, oui, bien sûr. Veuillez retirer votre question, monsieur Wright. Objection? Mais les questions sont mon seul recours, votre honneur. Et comme vous le savez, j'ai démasqué des assassins avec ce genre de questions. Bon, d'accord, une seule fois, mais quand même. Objection accordée. Vous pouvez continuer d'interroger le témoin. Ouf, il s'en est fallu peu. S'il m'avait interrompu ici, le procès serait fini. Hein? Quoi? Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, vous répondez à ma question. Comment saviez-vous que c'était une pendule? Eh bien, c'est... Parce que... Je l'ai entendu? Alors qu'elle marche pas! Elle a enlevé le fonctionnement. Oui, je l'ai entendu dire l'heure. Donc, vous êtes allé au cabinet d'avocat Fayenko. En plus, du coup. Non? Et je n'ai jamais dit ça. Pourquoi je serais allée là-bas? Elle m'a fait vriller, vriller. Je l'ai entendu depuis ma chambre d'hôtel. Bah, comment elle peut l'entendre alors que déjà, tu vois même pas la moitié des choses. Le cabinet Fayenko où le meurtre a été commis se trouve tout près de l'hôtel. Elle pourrait parfaitement avoir entendu la pendule. Bien, monsieur White, êtes-vous satisfait? Non! Non, votre honneur. Je ne peux pas abandonner maintenant. Je ne suis pas satisfait parce que... Elle n'a pas pu l'entendre. Non, la pendule n'a pas pu sonner. C'est surtout ça, moi, le truc. Votre honneur, membre du jury. Il est inconcevable que la pendule en question ait sonné. Putain. Ah putain. Ah. Attends, c'était où? C'était là-dedans. Quelque chose pour moi. Est-ce que c'est parce qu'elle a plus les piles ou les piles sont mortes? Je sais plus. J'ai glissé. J'ai dû retirer le mécanisme. Ok, c'est bon. Heureusement qu'il y a ça. Elle est vide. Le mécanisme de cette pendule a été retiré. Mais comment avez-vous pu? Regardez par vous-même, dès que vous en aurez l'occasion. Oh! Vous voyez quelque chose, votre honneur? La défense dit juste. Le mécanisme de cette pendule a été enlevé. Elle est complètement vide. Oh mon dieu, nan! Surtout, elle a une autre incohérence, dirais. Ah ouais? Monsieur White, auriez-vous l'obligeance d'expliquer à la cour ce que cela signifie, je vous prie? Vous l'avez constaté par vous-même. La pendule est vide, elle n'a donc pas pu sonner. Par conséquent, ce témoin est une grosse, une énorme menteuse. Grosse? Bah, écoute, tu l'as vu, je parlais de la pendule. Ah, eh bien, mademoiselle Vril. Tout, 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 tout. Ah! Une chouin. Ouais, c'est ça. Quel beau spectacle que vous nous avez offert là, monsieur White. Il savait qu'elle était vide. Je sais pas comment, mais il le savait. Néanmoins, j'ai bien peur que vous ayez oublié un petit détail. Effectivement, la pendule est vide. Mais comme vous le dites, elle ne peut pas sonner. Toutefois, il faut se demander, quand le mécanisme a-t-il été enlevé? Si c'est après que le témoin a entendu la pendule, il n'y a aucune contradiction. C'est vrai, c'est une possibilité. Mais toi, arrête, hein. Le mécanisme a pu être retiré après qu'elle l'ait entendu. Non, parce qu'elle a été retirée, je crois, le jour d'avant. Et c'est exactement ce qui s'est passé, votre honneur. Bien, monsieur White, pouvez-vous me trouver? Pouvez-vous prouver quand le mécanisme a été retiré? Oui, je peux. J'ai... Oh, c'est impossible, bien sûr. Je peux le prouver? Quoi? Ne m'avez-vous pas dit que seules les preuves comptent au tribunal? Eh bien, j'en ai une bonne note. Et maintenant, voici la preuve que vous espérez tant. La preuve qui démontre quand le mécanisme a été retiré. Et moi, je pense que c'est là.
C'est la forme. Elle dit l'heure. En fait, il faut que je te parle. La pendule ne parle plus. J'ai dû retirer le mécanisme. J'ai glissé. Document. Ouais. Est-ce qu'ils disent quand c'est la date? Prends ça. Allez, prends ça dans la gueule. Jetez un œil à ceci. C'est un très joli téléphone portable que vous avez là. Non, c'est pas le mien. Ouh, il a un téléphone de fille. Oh putain. Attendez, ce n'est pas mon téléphone. Écoutez, c'est le portable de l'accusé et contient un enregistrement. Celui d'une conversation qu'elle a échangée avec la victime le jour du meurtre. Ah donc le jour du meurtre. Fais de l'œil au juge aussi, enlève ton costume trois pièces. Silence, mets silence dans la salle. Oh putain. Eh, c'est un vampire. Le téléphone portable de l'accusé, personne ne m'en a parlé. Peut-être que l'inspecteur Tective n'a pas jugé ça utile. Je suis de tout cœur avec vous, Hunter. Écoutons cette conversation. Alors, tu veux que je te garde ce penseur, c'est tout? Si possible, oui. Ah, en fait, je dois t'avertir que la pendule ne parle plus. Oh, elle ne marche pas? C'est dommage. J'ai dû retirer le mécanisme, désolé. 5 septembre. Ah merde, j'ai pas lu la fin. Votre honneur, je pense que cette conversation démontre que le mécanisme avait déjà été enlevé. Puisqu'elle a été enregistrée le matin, avant même que le témoin n'arrive à l'hôtel. Mais... Bien, mademoiselle Vrille, auriez-vous l'obligeance d'expliquer ceci à la cour? Comment saviez-vous que cette arme était une pendule? Eh bien... Ça me paraît pourtant évident, pas à vous? J'ai déjà vu cette pendule? Dans quel magasin déjà? Je fais tellement souvent les boutiques. Absolument faux! Cette pendule a été créée par Paul Defesse. Zut, j'ai oublié! Clin d'œil! Les témoins avaient donc déjà vu cette pendule auparavant, c'est tout à fait possible. Non! La défense a-t-elle d'autres objections? Oui! Le témoin déclare l'avoir déjà vu? Mais ceci contredit directement une preuve qui a déjà été soumise à la cour. Dans ce cas, voyons cela. Veuillez fournir la preuve démontrant que le témoin n'a pas pu voir cette pendule. Fabriquée par Paul Defesse. Prends ça. C'est simple. Aucun magasin n'a jamais possédé cette pendule. Jamais. Quoi? C'est un de mes amis qui l'a fabriquée. Il n'en existe que deux au monde. Et celle qui n'est pas ici se trouve entre les mains de la police. Impossible, on vend de tout dans les magasins. Mademoiselle Vrille, il est temps d'aller vous acheter une meilleure excuse. Oh, les excuses ne sont pas soldées aujourd'hui. Oh, ah. Oh putain. Elle a grossi. C'est quoi ton problème, tête de porc épique? C'est quoi ce nom? J'en ai rien à faire de cette stupide pendule, d'accord? C'est elle, et elle doit mourir pour ce qu'elle a fait. Putain, j'ai pas lu. Oh, et oh, ne nous énervons pas. Ceci est une cour de justice, et je demande aux témoins de rester calmes. Et oh! Elle est devenue un méchant de Dragon Ball Z. Oh, oh, oh! Que si je bête! Est-ce que j'ai, comment dire, tout fichu en l'air? Je suppose que oui. Clin d'œil. Ça fait peur. Mademoiselle Vrille, laissez-moi vous reposer la question. Dites-nous comment vous saviez que l'arme était une pendule. Oh, on a retrouvé Miss Lou. Oh mon Dieu. La défense a-t-elle une idée sur la question? Bon, c'est le moment. Oui, votre honneur, laissez-moi vous expliquer la vérité dans cette affaire. Mademoiselle Machavoui, vous saviez qu'il s'agissait d'une pendule, car... Alors moi, je pense qu'elle a pas eu... Elle l'avait pas eu en main, parce que c'est le mec qui l'a tué. On a vu au début. Merci beaucoup, Cassie, des bisous. Et je pense qu'elle en a entendu parler via la précédente affaire. Vous en aviez entendu parler, je pense plutôt. Le témoin n'avait jamais tenu la pendule dans ses mains. Néanmoins, elle avait entendu dire que c'était une pendule. Elle avait entendu dire... Non, Miss Lou, de la pudeur, pas comme la vrilleuse. C'est exact, votre honneur. Sinon, comment aurait-elle pu savoir que le penseur était une pendule? À part via la précédente affaire. Et je peux vous le démontrer. Voilà qui est intéressant. Voyons plutôt cela.
Promets-moi que tes mains ont entendu dire que l'arme du crime était une pendule. Ah oui, par rapport à ça. Parce que du coup, ça a été sur écoute, quelque chose. Je pense. Jetez un œil à ceci. Ah, ça j'ai trouvé ceci dans la chambre de mademoiselle Vril. Monsieur White, veuillez expliquer à la cour de quoi il s'agit. Mademoiselle Macha... Oh, purée. Oui, ma... Vous aviez mis la victime Mia Fey sur écoute, n'est-ce pas? Votre honneur, ceci est totalement hors de propos. Je n'en suis pas si sûre. Objection rejetée. Je me demande pourquoi notre témoin était en possession d'un enregistrement téléphonique. Scandaleux. La défense ose dire que le témoin avait mis la victime sur écoute? Absolument. Même si tel était le cas, et ça ne l'est pas, il vous reste encore une chance. Il vous reste encore à prouver une chose. La victime a-t-elle mentionné au téléphone que l'arme était une pendule? Pouvez-vous prouver ceci? J'en doute. Ah oui? Et moi je vous dis que je peux le prouver. C'est très simple. Quoi? Il y a une guerre entre les deux. En voici la preuve. L'élément qui prouve que la victime a dit au téléphone que l'arme était une pendule est... Oh putain. Attendez. Il faut que je me reconcentre. L'élément qui prouve que la victime a dit au téléphone que l'arme était une pendule est... Ça, elle n'a pas pu l'avoir. Ah, je sais plus. Je suis bloquée. L'élément qui prouve que la victime a dit au téléphone que l'arme... Putain, c'est quoi? L'élément qui prouve que la victime a dit au téléphone que l'arme... Je vais plutôt mettre Maya parce que c'est le seul qu'on n'a pas fait, mais franchement... Ceci. Je pense que... c'est pas bon. Absolument rien. Attendez, c'était juste un exercice d'échauffement. Une fois de plus, j'attends que vous me donniez de vraies preuves cette fois. L'élément qui prouve que la victime a dit au téléphone que l'arme était une pendule et... L'élément... Pas la bande d'écoute, non? Qui prouve que la victime a dit... Mais moi, en fait, je comprends pas la phrase. L'élément qui prouve que la victime a dit au téléphone que l'arme était une pendule. Je comprends absolument pas cette phrase. Elle est trop dure pour moi à comprendre. Donc je vais vous faire ce que vous vous dites, mais je n'ai pas compris la phrase. Non, c'est pas bon non plus. Putain, on a le droit à combien de chances? Parce que là... j'ai... Putain... Je comprends pas la phrase. L'élément qui prouve que la victime a dit au téléphone... Oui, mais ce téléphone-là, c'est le téléphone de... Ah, le téléphone de Maya. Et du coup, vu qu'elle, elle a entendu... C'est bon, je comprends mieux. Oui, c'est bon. Oh putain. Oui, oui. Ah, je l'avais pas ce moment-là, je l'avais absolument pas. Merci! Qu'on tient à la conversation. Bah oui, du coup. Voici le téléphone portable de l'accusé. Oui, nous l'avons déjà vu. Écoutez de nouveau la conversation entre l'accusé et la victime. Mia, quoi de neuf? Ça fait un moment que tu m'as pas appelé. Eh bien, en fait, je voudrais que tu gardes quelque chose pour moi. Encore? Et c'est quoi cette fois? C'est une pendule. Elle a la forme de cette statue. Le penseur. Oui, voilà. Et elle dit l'heure. Mademoiselle Machavril, vous avez utilisé une table d'écoute pour écouter cette conversation. Oui, du coup, elle a entendu via comme ça. C'est comme cela que vous avez su que le penseur était une pendule. Je me trompe? Mais oh! Laisse-moi tranquille, toi. Votre honneur, tout ceci est ridicule. Votre honneur, regardez le visage du témoin. Pensez-vous qu'elle trouve ça drôle? La défense exige une réponse. Témoin, répondez. Avez-vous mis ce téléphone sur écoute? Mademoiselle Vril, la ferme, vous tous! Qu'est-ce qui vous donne le droit de me parler de la sorte à moi? Espèce d'avocat! Oh putain!
C'est pas juste. Vous êtes tous ligués contre moi. Alors comme ça, c'est moi la vilaine fille, c'est ça? Hein? C'est ça? Ça a marché. La cour découvre enfin le vrai visage, la vraie Machavrine. Et maintenant, le coup de grâce. Alors, non, c'est pas elle qui l'a tué parce qu'on a vu que c'était le mec, là. Mais on l'a toujours pas vu, ce mec, d'ailleurs. Pourquoi les écoute? Pour quelle raison avez-vous mis son téléphone sur écoute? Répondez à la question. Je suis obligée? C'est une affaire de meurtre, non? Pas de toutes petites écoutes, de rien du tout. Elle récite exactement ce que Hunter lui a dicté. Faire un Freezard essayer de détruire la Terre en 3 épisodes. Mademoiselle Vril, vous aviez mis le téléphone de la victime sur écoute. Ce n'est rien du tout. Ce n'est pas rien du tout. Bien que la cour n'approuve pas le ton de la défense, elle marque un point. Bien, Mademoiselle Vril, avez-vous une explication à fournir à la cour? Pouvez-vous prouver que vous n'êtes pas impliqué dans ce meurtre, malgré les écoutes? Ah, elle va bien être obligée de se mettre à nu cette fois. Monsieur l'avocat, j'ai vu votre sourire diabolique. Je parie que vous pensiez qu'elle vient bien être obligée de se mettre à nu, pas vrai? Ah non. Bon sang, elle est douée. Vous n'êtes pas le premier à penser ça, je vous le dis. Et je m'exécute tout de suite. Ah, par contre, vous ne parlez pas sérieusement. C'est impossible. Et si, c'est possible. Eh oui, je suis très sérieuse, monsieur l'avocat, je vous assure. Ok, bon, donc le meurtre a eu lieu à 21h. Se mettre à nu au sens littéral ou au figuré, je pense les deux. Pile poil l'heure à laquelle ce gentil groom m'a monté ce que j'avais commandé. Commandé? Oui, un café glacé, je crois bien. Un café glacé, vous savez, un café quoi? Mais froid. Si vous ne le buvez pas vite, les glaçons fondent et vous obtenez un café froid, normal. Oui, bon, c'est bon, allez. Un café glacé. Vous croyez que j'invente? Eh bien, demandez au groom. Clin d'œil. Par conséquent, le témoin n'était pas sur le lieu du crime au moment du meurtre. Oui, mais par exemple, vu qu'il y avait deux verres, eh bien, c'était l'autre personne, du coup. Alors, tout ceci nous mène-t-il? À mon grand mécontentement, je dois vous informer que... le témoin avait en effet mis la victime sur écoute. Toutefois, ce délit n'a absolument rien à voir avec l'affaire que nous traitons. Son témoignage tient debout. Elle a vu l'accusé, Maya Fey, commettre ce meurtre. C'est pas vrai. Ils vont la laisser partir comme ça. Pour gagner, il faut absolument que je trouve le lien entre Mademoiselle Vril et ce meurtre. Bien, la défense souhaite-t-elle ajouter autre chose? Eh bien, elle pense à quelque chose. On va appeler le groom à la barre, hein. La défense souhaiterait appeler le groom de l'hôtel à la barre. Tout ça est vraiment louche, mais je vais découvrir le fin fond de ce mystère. Je crois que vous êtes déjà tombé bien bas. Je m'oppose à la venue du groom. Pourquoi? Pour quelle raison? Car je maintiens que cet enregistrement n'a rien à voir avec l'affaire du meurtre. Néanmoins... j'accepte de faire venir ce témoin à une condition. Une condition. Si l'alibi de Mademoiselle Machavrine n'est pas mise en doute après la comparution du groom, vous reconnaîtrez que Mademoiselle Vrine n'est pas l'assassin et donc qu'elle est innocente. Par conséquent, vous devrez accepter que Mademoiselle Maya Fey soit déclarée coupable. Voilà ma condition. Quoi? J'ai intérêt à trouver quelque chose de suspect dans le témoignage de ce groom. Sinon, Maya va être déclarée coupable sur le champ. Qu'est-ce que je dois faire? Accepter la condition, parce que je pense qu'il va dire qu'ils étaient deux. D'accord, je n'ai rien à perdre, sauf, bah, tout. Entendu, j'accepte votre condition. Imbécile. Vous êtes tombé tout droit dans mon piège. Oh, merde. Très bien. La cour appelle le groom de l'hôtel à la barre. Je crois que nous sommes prêts à écouter la déposition du témoin. Il a vraiment la tête de l'emploi. En plus avec le... Oui, monsieur. J'étais au travail quand j'ai reçu la citation à comparaître. Je suis ravie de rendre service. Ce service à thé a l'air plutôt lourd, alors, sans plus de cérémonie. J'invite le témoin à faire sa déposition. Très bien, monsieur. Je pense que lui, il va pas mentir. Service de chambre.
Je suis premier groom à l'hôtel Gatwater qui existe depuis 4 générations. Oui. Je suis certain d'avoir reçu un appel de notre cliente Mademoiselle Free peu après 20h. Ok, ouais, ça tient la route. Elle a demandé qu'on lui monte un café glacé à 21h pile, monsieur. Pourquoi 21h pile? Alors qu'il était 20h quelque chose. Je lui ai apporté à 21h tapante, bien entendu. Voilà, donc elle était avec quelqu'un. Et j'ai remis ce café à notre cliente, Mademoiselle Vril, en personne. Je vois, la défense peut commencer son contre-interrogatoire. D'accord, je suis prêt. Enfin, j'espère. C'est le moment ou jamais. Si je ne peux pas prouver que Mademoiselle Vril est mêlée à ce meurtre, Maya est condamnée. En fait, on peut s'arrêter comme ça dans le jeu. Ouais, je vais sauvegarder ici. Parce que là, il va être 16h. Donc j'espère que, par contre, ça sera bien mis. Hein. Je vais quand même re-sauvegarder. J'ai aucune confiance. Ok. Est-ce qu'on peut quitter le jeu? Écran titre. Ok. Comme ça, on va s'arrêter. Et du coup, on reprend ce jeu-là vendredi. Du coup, 13h45. Parce que les autres jours, ça sera le soir. Donc demain et après-demain. Donc, et après, je sais pas du tout qu'est-ce qu'on va jouer demain après-demain. Oh, tu vas pas finir l'enquête? Bah non, mais t'as vu, ça fait quand même déjà 2h11 et il est bientôt 16h et j'ai même pas encore fini. Et je crois qu'il y en a encore beaucoup puisqu'on a toujours pas vu le meurtrier. Donc, j'en conclue que c'est encore très long. Tiens, on va raid. Une équipe que j'aime beaucoup. Ça va faire plaisir. Je les avais jamais raid avant. Slash raid. Hop. Du coup, n'hésitez pas à leur dire bonjour, tout ça, hein, comme d'habitude. Et nous, du coup, on se retrouve demain. Demain à 19h. Et puis, bah, du coup, à la prochaine. Des bisous. Hop. Voilà.